Madame Souvo. Conseiller. C'est bien le quorum est atteint. Alors, le secrétaire de séance. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, nous allons rendre hommage à M. Guérin, qui a été autrefois premier adjoint de la ville de Groslay. Voilà. Voilà, donc je vais vous demander de vous lever et nous allons faire une séance. Alors, nous allons désigner le secrétaire de séance et c'est M. Monnier. Alors, pour pouvoir. Désolé, j'ai une question. Je te rappelle, donc Mme Steinmann a donné le pouvoir à M. Boisseau, Mme Courrier à M. Monnier, Mme Capitaine vers M. Dubos. Là, et M. Poulet à M. Cito, et enfin, Mme Chauveau a reçu le pouvoir de M. Denis Joly. Voilà. Alors, nous allons passer à l'approbation du bébé du conseil municipal. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Est-ce qu'il serait possible de faire un point sur les mandats des différents élus de la majorité? Monsieur Pierre, puisqu'il y a des. Là, on passe des... à l'approbation. Vos questions, vous les faites par écrit. Non, je demande juste un éclaircissement. Ah. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont rendu leur délégation. Monsieur Geffroy, je ne vous ai pas donné la parole. On peut savoir qui. Monsieur Geffroy, je ne vous ai pas donné la parole. Monsieur Geffroy, je ne vous ai pas donné la parole. C'est ridicule. Monsieur Geffroy, je ne vous ai pas donné la parole. Je demande Monsieur Geffroy, je ne vous ai pas donné la parole. Que le public Monsieur Geffroy, je ne vous ai pas donné la parole. Voilà. Merci. Voilà, nous passons à l'approbation. Nous passons à l'approbation du conseil municipal, du PV du conseil municipal précédent. Y a-t-il des questions? Monsieur Moyen. Alors, je tiens à demander une modification du procès verbal du précédent conseil municipal. Notre groupe a transmis une série de questions à M. le maire, tout comme l'opposition, pour la session des questions-réponses à M. le maire. Or, celui-ci, après avoir répondu aux autres groupes minoritaires, a indiqué qu'il ne répondrait pas à nos questions posées, car il estime que le statut de notre groupe va à l'encontre du règlement intérieur du conseil municipal. D'accord. Vous pouvez noter la réponse de M. le maire. Dans un premier temps, je demande que cet événement et cette déclaration du maire soient indiqués dans le procès verbal, car elles ne figurent pas. Président, que M. le maire ne répondra pas aux questions de notre groupe d'opposition avec vous pour Groslay, donc pour que ça soit acté. Dans un deuxième temps, nous avons capté M. le préfet de ce fait, et bien évidemment le contrôle de la légalité, la sous-préfecture. Celui-ci vous a adressé un courrier indiquant que votre décision est illégale et que notre groupe est dans son bon droit. Donc nous avons de nouveau transmis des questions pour le conseil municipal de ce jour, indiquant que dans le cas, nous indiquons que aucun M. le maire décide de persévérer dans ce sens et de ne pas respecter la loi et la démocratie au sein de ce conseil municipal. Dès demain, nous engageons des procès judiciaires et aviserons le préfet de ces nouveaux faits, en espérant que M. le maire, sachant dans les qualités, n'utilise pas l'argent public des Groslayens pour des frais de justice injustifiés. Merci à vous. Alors, je vais vous répondre, le règlement le stipule, et vous avez dit groupe pour les autres. Ce ne sont pas des groupes, ce sont des listes. Vous êtes un groupe. Le contrôle et vous avez été élu sur une liste. Et vous vous êtes constitué en groupe.
Donc le règlement sera appliqué. C'est tout. Le contrôle de l'égalité, vous arrêtez. Attendez, Vire, il n'y a pas eu, de, comment dirais-je, d'éléments contradictoires. Vire, moi, je ne me suis pas exprimé sur la question. Donc, voilà. Vous avez indiqué. Non, que moi, j'ai rien reçu personnellement. Ah si, vous n'avez pas répondu à nos questions. En tout cas, moi, j'ai rien reçu. Nos questions, je n'ai pas reçu aucun mail. Peut-être que la direction a reçu des mails, mais moi, j'ai reçu aucun mail. Je peux le transmettre tout de suite, si vous voulez. En tout cas, je ne répondrai pas, j'ai conformément, via au règlement. Merci. Oui, la monsieur, je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Dubos, je ne vous ai pas donné la parole. Donc c'était des questions par rapport au prochain, au précédent. C'est fait. C'est ça, c'est tout. Vous avez été exprimé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc simplement, vous avez bien indiqué la modification de l'ancien. Non, mais attendez, vous êtes exprimé, attendez, je vous ai répondu, c'est tout. Vous avez donc accepté que ce soit indiqué sur le procès verbal, c'est tout ce que je dis. C'est vos déclarations, elles n'ont pas été notées, on demande simplement qu'elles soient. Non, attendez, par rapport au précédent conseil municipal, il n'y aura rien marqué de plus, c'est tout. Je demande que ça soit noté également sur le procès verbal, cette déclaration. Merci à vous. Non, ça c'est juste par rapport au procès verbal du conseil municipal précédent, ça n'a rien à voir. C'est pour prendre l'info est manquante. Pardon ? L'info n'est pas, ça n'apparaît pas, comme quoi vous ne voulez pas répondre à une question, vous l'avez indiqué. Non, la question elle est simple, je vous pose une question par rapport au précédent conseil municipal. Vous demandez si voilà. Donc je vous dis, on va, effectivement, est-ce qu'il y a des modifications à faire ? Il n'y en a pas. Oui. Ah, il n'y en a pas. Que vous rajoutiez l'élément manquant. Non, parce qu'en fait, ce n'est pas. C'est contraire en fait au règlement. Je ne le rajouterai pas. Ce qui n'empêche pas. Voilà, on va passer, à la suite, monsieur. Monsieur Monnet, c'est fini. On va passer à la suite. Donc je demande que ce soit indiqué aujourd'hui sur le procès verbal. Ah non, puisqu'en fait, là, c'est des modifications par rapport au précédent. Au précédent, nous sommes PV. Vous demandez en fait une modification. Il n'y en a pas. Pourquoi pas le mettre? Mais je vous demande simplement que ce soit indiqué sur le procès verbal. Vos déclarations que vous venez de faire, elles sont au sommet du procès verbal. Vous déclarez, vous êtes en que le procès municipal est ouvert. Vous êtes en train de déclarer quelque chose. Je demande que ce soit indiqué sur le procès verbal. C'est quand même normal. Ah, c'est la loi. Ouais, dans le compte rendu, on mettra que vous avez fait ça. Merci. Bien. Alors, compte rendu des décisions prises par le maire. La décision 2022-32, donc, assurance dommage ouvrage pour la salle de Roger Donnet. Il s'agit de payer une prime d'un montant de 25 416,90 € hors taxe. Soit 30 721,42 DTC pour la contraction du multirisque chantier dommage ouvrage auprès de notre courtier assurance Laget à Neuilly-la-Barre pour le compte de Tetris Assurance. Ensuite, la décision 2022-33, acquisition de fournitures scolaires et signature du marché. Donc il s'agit de signer l'acte d'engagement du marché relatif à l'acquisition de fournitures scolaires pour les écoles de Bourgogne avec la société Lacoste. 6 ou 15 années de salaire à tort. Sur la base de son bordereau, des prix militaires, des DPU, avec une remise générale de 15% sur le catalogue, Ce marché prend la forme d'un accord cadre mono-attributaire, sans remise, en concurrence, sans montant minimum, mais avec un montant maximum annuel de 28 000 €. Il prendra effet à compter de sa notification pour une durée d'un an renouvelable par tacite ou convention, au maximum de fois, soit une durée maximum de 3 ans avec un montant maximum de 84 000 € par taxe sur ces 3 ans. Les dépenses liées à ce marché seront imputées au budget 2022 et suivant de la ville. Ensuite, nous passons à la décision 2022-34 qui consiste en contrôle technique des travaux de création d'un accueil de loisirs. Au sein du niveau scolaire, il y a des éléments de situation de contrat qui sont en cours. Il s'agit de signer le contrat 2022-30-45-52-17 avec la société d'Ecra, industrielle, donc agence d'Île de France, donc 6A Cergy-Saint-Christophe, pour la réalisation d'une mission de contrôle technique et de travaux de création d'un accueil de loisirs sans hébergement. Dans le bâtiment préfabriqué du type Algeco, rattaché au groupe scolaire Les Glaisières pour un montant de 1 960 € hors taxe et 1 430 € hors taxe. 960 c'est pour le contrat initial et puis 1 430 pour l'avenant. La durée totale de la mission est fonction de la durée de réalisation des travaux. Ensuite, nous passons à la décision 35 qui concerne les travaux d'enfouissement des réseaux et réfection de l'éclairage de la rue des Carrières
sollicitation du fonds de concours auprès de la CAPV, donc qui décide de solliciter l'intervention de fonds de concours 2021 de la CAPV afin de permettre à la ville de Groslay de financer les travaux d'enfouissement des réseaux et la réfection complète de l'éclairage de la rue des Carrières. Le plan de financement prévisionnel dans ce projet est sur le tableau suivant que je ne vais pas vous lire, mais que vous avez. Ensuite, on passe à la décision 2022-26 de mettre à plein de conseils les dépôts sauvages, les dépôts de gravats sauvages. Donc, il s'agit de confirmer la désignation de mettre à la plante, 47 000 euros à Pontoise pour défendre les intérêts de la commune, dont le dossier de la mise en demeure n'est pas partout de Pontoise, alors envoyé juste en France. Donc, et les dans le cadre d'un abus sauvage constaté sur leur propriété, et les frais s'élèvent à 658,63 €. Donc, c'est une mission qui avait été faite avant les vacances. Ensuite, décision 2029-37, il s'agit du marché de travaux d'entretien, d'aménagement, de préparation de voiries et des réseaux divers, signature d'un accord relatif à la proposition de l'État. Donc, il s'agit de signer la demande relative à la modification de la proposition du mouvement titulaire du marché de travaux d'entretien, d'aménagement et de réparation de la voirie et des réseaux divers avec la société civile, membre du groupement solidaire, constitué des entreprises ABC et compagnie. L'avenant à objet était fait de transférer l'intégralité des droits et obligations liés à ce marché à la société civile, dont le siège social est situé 5 avenue des Cures en Vendée. Le marché continuera à s'exécuter dans toutes ses modalités et conditions jusqu'à son terme fixé au 17 juillet 2023. Les dépenses liées à ce marché sont affectées au budget 2022 et 2023 de l'année. Ensuite, il s'agit de la décision 38 relative aux travaux de création d'un centre de loisirs dans un bâtiment fabriqué sur le site des Gézières. Donc, il s'agit ici de l'engagement du marché pour la création d'un centre de loisirs dans un bâtiment fabriqué sur le site des Gézières. Et ça nous remet avec le mouvement solidaire SRG, mandataire 6 au 6 avenue des Étangs à Ardrico, donc pour un montant de 199 795 € hors taxe. Et les dépenses liées à ce marché sont imputées au budget d'investissement de la ville. La décision 39 concerne le contrat de location d'un véhicule Citroën C3. Il s'agit de conclure avec la société Crédit Par, donc numéro 317-425-980 au RSC Versailles, donc situé 2-10 boulevard de l'Europe, à Poissy, un contrat de location de longue durée pour un véhicule de type Citroën C3. Ce contrat est conclu pour une durée de 48 mois à compter du 21 juin 2022 et un kilométrage de 100 000 km² au loyer total mensuel de 48 loyers de 379,91 € BTC, soit un total de 18 235,68 € pour la durée du contrat. Décision numéro 40, donc il s'agit de la signature du marché de reconstruction et de réhabilitation de la salle polyvalente et sportive Roger Denet à Groslay. Donc il s'agit du lot numéro 10 de Serrerie. Donc il s'agit de signer l'acte d'engagement du lot numéro 10 du marché de travaux de reconstruction et de réhabilitation de la salle polyvalente et sportive au projet Denet à Groslay avec la société CCAPA. 6,31 € à Star. Pour un montant de 50 500 € pour le vote, ce marché pourra compter de sa notification jusqu'à l'achèvement des travaux et des garanties afférentes ou en cas de prolongation de délai jusqu'à la levée des dernières réserves. Les dépenses liées à ce marché seront imputées au budget d'investissement 2022 et suivant la vie. Nous passons à la décision 41 qui consiste en un marché de l'étude d'œuvre relatif au projet de construction de maison des associations et de la jeunesse arrêtent l'exécution de l'exploitation du marché. Donc, il s'agit d'arrêter l'exécution du marché de prise d'œuvre pour la construction de maison des associations et de la jeunesse à Groslay, en application des articles 24 du cahier des clauses administratives, en particulier du marché de prise d'œuvre et du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de prestation en ligne. Il s'arrête et fixé à la fin de la phase technique appelée et entraîne une modification de simple de ce marché. Et ce, sans versement, de l'union de l'unité. Ça veut dire qu'un arrêt de projet, c'est-à-dire qu'un arrêt de marché.
Alors, décision numéro 42, il s'agit d'une mission de l'organisation sécurité, protection et santé relative aux préoccupations de l'accueil de loisirs au sein de l'école scolaire des Gazières. Et donc, il s'agit de signer le contrat numéro 2022-2021-56 avec la société Art Industriale, donc 6A Plessis-Robinson, pour la réalisation d'une mission de coordination santé, protection et sécurité, protection et santé, pour les travaux d'occupation d'un accueil de loisirs sans hébergement dans le bâtiment fabriqué de l'école GGO-HH au groupe scolaire en désir pour un montant de 2565 € par taxe. La durée de la réalisation est fonction de la durée de réalisation des travaux. Enfin, la décision numéro 3 qui est relative au marché des maîtrises d'œuvre pour la création d'un ASH au sein du groupe scolaire des désirs de Gourlette, signature de l'événement de Il s'agit de signer un amendement numéro 1 au marché des maîtrises d'œuvre pour la création d'un accueil de loisirs sans hébergement au sein du groupe scolaire des désirs avec M. Olivier Rajol, architecte 6 avec l'œuvre. Afin d'encourager la mission qui est confiée de l'étendre aux études et suivis de travaux extérieurs au bâtiment, préfabriqués, donc l'accessibilité, le loyer, le réseau et le taux de rémunération interchangé, à savoir l'ensemble du montant des travaux, soit au vu du montant du marché signé avec l'entreprise qui réalisera un forfait définitif de 19 979 € et d'amorcer évidemment les dépenses liées à ce marché au budget d'investissement de l'étude. Je vous demande en retrait. Monsieur Boisson, je lui en prie. Deux choses, on a déjà fait un tête pour le vote pour le compte rendu du dernier conseil. C'est vrai. Alors, qui vote contre ? 1, 2, 3. Donc, monsieur Moignet, je crois pas. Relevez la main parce que je dois donner les noms pour le secrétariat. Monsieur Dubos, madame Jouffran, monsieur Gilfran, madame Pierre-Péry, monsieur Moussa. Qui s'abstient ? On met la voix de l'Europe aussi. Alors, qui s'abstient, donc Madame Boudrier, Madame Le Maire. Ah bon, non mais attendez, vous recommencez, monsieur. Vous recommencez, monsieur. Alors, on recommence. On recommence. Monsieur Moignet, Madame Boudrier, dire Madame Moussa, Madame Derrière, Monsieur Giffard, Monsieur Moussa, qui s'abstient. Alors. Monsieur Boisseau, Madame Chetman, Monsieur Corinne, Madame de Guillaume et Monsieur Hercy. Ok, adopté. Donc, on passe aux questions. Oui, juste une question, c'est par rapport à la décision que vous avez prise concernant la salle Roger Donnet, concernant le lot Séjourie. De mémoire, en appel d'offres, on avait refusé le montant qui avait été présenté. Et je ne me souviens plus du montant, c'était plus de 50 € en taxes. Et par contre, c'est la serrurerie qui comporte uniquement la serrurerie intérieure de la salle, c'est pas les grilles à l'extérieur. Oui, mais ça compte, ça ne comprend pas les grilles. Parce que la commission avait donné un avis défavorable. En plus, on n'avait pas eu de réponse. Et en plus, on n'avait pas eu de réponse. Mais on avait demandé à ce que les grilles à l'extérieur soient pas mises pour que le bâtiment soit un peu plus clair. C'était tout. Merci. Concernant la 36, est-ce que pour votre information, vous pouvez nous donner le lieu où était déposé le dépôt de ce ménage ? Ah bah, en fait, c'est l'ensemble du champ. en fait, on a missionné M. Lavant pour attaquer à la fois le département et la région. Par rapport en fait, à l'ensemble des dépôts sauvages qui ont été effectués à la fois sur le Furby et sur le Furby. Le parc régional. C'est bien la dépôt, c'est aux montagnes. On est d'ailleurs dans le plus grand spot de l'Oise en nombre et en étendue. Et en dépôt. Sur la 37, toujours monsieur Moussa, que deviennent les dépôts sauvages, c'est possible que c'est derrière le stage. Alors, ça, c'est pas une affaire qui est concernant directement dans la ville, puisque c'est la CAPB qui gère le processus, puisqu'il y a la entre la CAPB et
la société et la société AECD qui n'existe plus puisqu'elle a fait faillite. Voilà. Donc effectivement, on va suivre de très près le dossier et le cas échéant, si la CAPV ne fait pas nécessaire, on sera peut-être obligé de faire aussi un dépôt de plainte contre la CAPV. Merci. Alors, donc il s'agit de dossier numéro 1, de nos motions pour le nettoyage et la sécurisation des parcelles situées chemin du Chambon. Alors, en décembre 2021, en août 2022, et à deux reprises, en septembre 2022, des incendies sont survenus sur plusieurs parcelles situées le long du chemin du Chambon à Grolet. Heureusement, ces incendies n'ont fait aucune victime, n'ont détruit aucune habitation. Ils ont toutefois eu lieu à proximité immédiate de l'habitat adapté, de l'air de l'eau et se sont rapprochés dangereusement des maisons situées au chemin du Chambon. Ils ont également entraîné des perturbations importantes pour les Grolésiens, fermeture de groupes scolaires, d'églisières, interruption de la circulation, coupure de courant due la destruction d'un poteau électrique fumé, et leur caractère répétitif est une réelle source de préoccupation. L'ampleur de ces incendies est due aux décharges qui se sont développées sur des parcelles acquises par l'Agence des espaces verts d'Île-de-France dans le cadre du projet de développement de l'espace naturel régional de la ville de Pinson. Le conseil municipal demande à l'Agence des espaces verts d'Île-de-France de bien vouloir procéder dans les plus brefs délais au nettoyage et à la sécurisation des parcelles où ont eu lieu les incendies. Voilà, y a-t-il des questions? Oui, monsieur Geoffroy. C'est pas une question, c'est un commentaire. Donc, merci beaucoup d'avoir mis cette motion à l'ordre du jour, cette motion que nous vous avons adressée. Avec Paul Moussard, on s'est rendu sur les lieux à plusieurs reprises suite aux incendies. Et effectivement, il nous a paru important que le conseil municipal prenne position et interpelle une agence qui se passe derrière l'Île-de-France. Donc, merci. Je me permets de rajouter certains éléments. Nous, depuis deux ans, on n'a pas effectivement cessé de faire des requêtes auprès de l'Agence des espaces verts, qui se sont toujours soignés, je ne pense pas que c'est une chose qui se sont toujours soignés par des chercheurs du CITO en témoin. À chaque fois qu'on leur téléphonait, on les avait en visioconférence, ils nous faisaient des claquettes. Donc ça veut dire qu'en gros, ils n'ont jamais rien fait. Voilà. Si vous voulez, nous, on a décidé de prendre le tour à l'époque et d'attaquer la région, d'attaquer les départements, parce que c'est aussi sur les départements, d'attaquer aussi les squatteurs, donc ce sont des publics. Et il faut rappeler que ces dépôts sauvages sont générés notamment par les squatteurs. Parce qu'il y a des pancartes sur lesquelles il y a marqué que ces dépôts, les gens qui peuvent venir déposer, entre 50 à 60 euros à chaque dépôt. Donc on a identifié les gens, et qui c'est, les gens du Chambon, les gens du voyage, qui font payer via les dépôts. Voilà. Monsieur Geoffroy. Vous m'entendez les nerfs, parce qu'au ton de votre intervention, j'entends. Les gens du voyage, vous avez, sachez que nous condamnons avec la plus grande fermeté ce genre de comportement qui consiste à toucher de l'argent pour faire décharger des cabanes. Sachez aussi qu'il y a des tas de gens qui profitent de l'espace sans passer par la case paiement. Enfin voilà, tous les cas de figure existent. En tout cas, nous n'avons jamais cautionné le moindre usage de décharge sur le champ. Oui, par contre, vous avez fait des pétitions pour qu'on évacue pas un certain nombre de gens qui sont des spectateurs sur des événements qui partent de la mer. Non, mais c'est le même sujet. C'est pareil. Bah, donc, si on pouvait rester sur le texte de la motion, et s'entendre dans le texte de la motion, ça serait pas mal. Ça sera inscrit comment? Ok. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe au dossier numéro 2.
Donc, avis sur la demande d'ouverture dominicale des commerces en détail sur la commune pour l'année 2023. Alors, selon la loi dite Macron, numéro 2015-290 du 6 août 2015, pour les établissements de commerce de détail, le repos dominical hebdomadaire peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 ans et la liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la commune. Il est proposé d'autoriser l'ouverture des commerces en détail sur la commune de Bourlet 12 dimanches pour l'année 2023, à savoir le 15 janvier pour les soldes d'hiver, le 22 janvier pour les soldes d'hiver, le 29 janvier encore pour les soldes d'hiver, le 2 juillet pour les soldes d'été, le 9 juillet pour les soldes d'été, et enfin le 16 juillet pour les soldes d'été. Puis le 3 septembre pour la rentrée scolaire et le 8 septembre pour la même occasion. Puis le 10, le 17, le 24 et le 31 décembre pour les fêtes de Noël. La CFPB ne délibérera pas en décembre 2022 et donc cette déclaration est publique sur les normes de la CFPB. Toutefois, dans le même temps, la CFPB nous propose quelque chose de visé dans cette même déclaration de l'ouverture de local de commandes de détail du dimanche 3 septembre, 10, 17, 24 et 31 décembre 2023. Et la commune pourront accorder sans avis conforme de la CFPB, sans dérogation. Des questions? Pas de question, nous avons plus de vote. Attention. Contre, M. Moussa. Abstention. Adopté. Merci. Alors, nous passons, M. Nord en point, concernant la vie de la sur le moment d'ouverture nationale de Dominical avec les commerces automobiles sur la commune pour l'année 2023. Vous vous souvenez de la loi qui m'a appelé 2015 dans 190. 2015, dans l'établissement de l'Union automobile, le repos dominical et de l'air peut être supprimé les dimanches et les dimanches désignés pour chaque commerce automobile par décision du maire vise à la vie du conseil municipal. Afin d'avoir un nombre au cours d'action commerciale nationale et de l'Union automobile, il est proposé d'autoriser l'ouverture des commerces automobiles sur la ligne de voie 5 dimanches pour l'année 2023, à savoir le 15 janvier, le 12 mars, le 11 mars, le 17 septembre et le 15 octobre. Les deux moments municipales ont utilisé une mesure nationale de l'UCLAN, des commerces automobiles et des mois 15 janvier, 12 mars, 15 juin, 17 septembre, 15 octobre 2023. Donc, petite question. Nous avons aussi des votes. Contre, M. Moussa, attention. Merci. Et d'abord, merci. On passe à la délibération numéro 4 et 5, et c'est M. Fébé-Léon. Numéro 4 et 5, je le présente. Adhésion au CIGEP de la communauté d'agglomération Val-Parisis et de la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des Trois-Forêts au titre de la compétence infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Depuis début 2019, le CIGEP propose aux collectivités de prendre en charge le déploiement et l'exploitation d'un réseau d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Ce réseau, qui compte à ce jour près de 700 points de recharge et 9000 recharges mensuelles, poursuit son développement territorial et sa densification. 74 communes font aujourd'hui confiance au CIGEP pour assurer cette mission, lui ayant transféré leur compétence en matière d'IRVE. La communauté d'agglomération Val-Parisis, la communauté de communes de la vallée de l'Oise et des Trois-Forêts entend aujourd'hui rejoindre le syndicat sur la mobilité propre. Le comité du CIGEP a ainsi autorisé ses adhésions par délibération du 27 juin 2022. Conformément aux dispositions du CGCT, la délibération du CGF est notifiée à chacune de ces collectivités adhérentes qui disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur l'adhésion de cette nouvelle commune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ces deux adhésions. Y a-t-il des questions? Pas de questions, nous allons passer au vote. Contre? Abstention? Adopté? À l'unanimité, merci. Nous passons maintenant à la délibération numéro 6, qui sera présentée par M. Girard, qui n'est pas là. Ah si. Excusez-moi, monsieur le maire, il y avait
deux délibérations 4 et 5. Vous avez été voté dans les parties. Bien, ça, il faut savoir que s'agissant de cette maison médicale de santé, les bails professionnels, les baux professionnels sont de facture de l'ARS. Et qui a donc rédigé les principaux articles qui définissent le montant des loyers pour chaque cabinet. Alors, il convient de considérer que le montant de ces valeurs locatives ainsi définies dépend essentiellement du montant des subventions accordées. Donc, en ce qui concerne les subventions, l'ARS subventionne à hauteur de 250 euros et en a versé 100 000. La région, pareil, 250 euros et en a versé 75 000. Donc, ce sont ces financements qui ont très contribué à l'évaluation de ces loyers par l'ARS pour le montant de 4 040 euros pour les principaux et de 3 944 pour deux autres loyers, parce que les surfaces sont un peu plus élevées. Donc, voilà donc le projet de l'ARS. Alors, oui, il y a des baux. Chaque médecin va intervenir, un travail lui-même, ils ne sont pas d'association, chaque médecin ouvre son cabinet et donc répond aux dispositions arrêtées par l'ARS. En plus de ça, les tout-libres auront à leur charge assurance, frais d'installation, les loyers évidemment, et comment dirais-je, l'ensemble de l'entretien de leur local à eux. Ceci étant, il y a un petit problème en ce qui concerne les enlèvements des ordures ménagères. Parce que les médecins n'ont pas d'ordures ménagères, ils passent par une compagnie spéciale qui s'appelle DASRI, je crois, qui enlève les médicaments et puis surtout les objets liés au service de chaque cabinet. Donc, mais ceci étant, chaque médecin devra s'occuper de s'acquitter de ses charges d'électricité, de chauffage, etc. En fonction de chaque compteur qui sera posé par Veolia, EDF et d'autres. Également, il sera responsable, chaque médecin sera responsable des assurances professionnelles, des risques professionnels sous compétence, sans que le bailleur puisse être lui cherché en responsabilité si jamais il y a un pays qui ne fait pas qui est en retard sur les paiements ou qu'il fait même des impayés plus durs. Voilà le projet. Aujourd'hui, il y a, on va dire, deux médecins qui sont relativement attachés à ce projet. Et on a demandé donc à l'ARS qui nous a confirmé qu'elle nous aiderait à pourvoir d'autres médecins pour venir compléter la maison de santé. Voilà, donc, la dénomination de la maison médicale. Madame Diakaoui, la commission de finances, a fait remarquer que c'est un peu plus tout à fait les maisons médicales de notre scène, ça peut être avec une autre qui est déjà existante. Donc, nous avons décidé dans ces conditions, puisque nous sommes propriétaires, après tout, c'est nous qui définissons le nom de la maison médicale, elle sera dénommée la maison médicale l'AENEC. Pour nous apporter un rapport de l'AENEC et découvreur du stéthoscope. Donc, de déterminer le montant des loyers et des charges, le montant des loyers, c'est donc ce fixé par l'ARS, 4043 pour 1, 2, 3, 4, 5 surfaces, et 3944 pour 2 surfaces. Ce sont des loyers annuels, hors charges et hors taxes. Les charges, c'est en plus, bien entendu, ça, on ne va pas les déterminer, ça sera en fonction de l'activité de chacun des praticiens.
et leur le bail à l'intervenant, chaque médecin donc signera un bail avec le propriétaire, c'est-à-dire avec nous, pour le compte de pour son compte personnel. En plus, bon, il faut aussi préciser qu'il y aura à l'intérieur de l'organisation des médecins une sorte de, comment pourrait-on appeler ça, une sorte de comité, pas de comité, mais d'association pour gérer leurs problèmes entre eux, etc. etc. Et ça n'y entend pas. C'est une organisation prévue par l'ARS. Merci, monsieur Jean. Il y a des questions. J'ai une question, déjà on parle déjà hors taxe, ce qui me surprend c'est que de toute façon je pense pas qu'on puisse facturer des décès de loyer puisque les médecins ne sont pas assujettis à la TVA. On est d'accord? C'est pas nous qui disons qui avons décidé de cette organisation. Je ne parle pas de fiscalité, je vous parle pas de ce qui a été décidé. Secondo, quand on parle hors charge, moi je voudrais savoir si quand même vous avez un ordre d'idée des charges de la copropriété extérieure, parce que nous sommes propriétaires, donc on a bien des charges extérieures, est-ce qu'il y a une estimation du coût des charges extérieures ou pas? Est-ce que ces charges seront répercutées sur les médecins? Non, elles ne seront pas répercutées, parce que de toute façon, c'est en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas encore estimé l'ensemble des charges. On a avancé effectivement sur le projet, donc il y aura des charges, effectivement, de toute façon, ça veut dire que Micron veut favoriser les médecins, il va falloir de toute façon faire des dépenses. Micron. Donc ça sera la charge de la commune. C'est une question, c'est pas un reproche ni quoi que ce soit, c'est juste pour que ce soit bien arrêté. Ah oui. Deuxième question, quand vous lisez le projet de bail, à la fin vous mettez un plan de copropriété, mais apparemment ce plan de copropriété ne correspond pas au plan qu'a établi le géomètre via le promoteur. C'est-à-dire que je suppose que suite à la modification du permis de construire qu'on a dû faire, puisqu'on a aménagé les locaux, on a modifié les places de stationnement et ainsi de suite, le long du bâtiment, vous avez une partie en fait qui faisait partie de nos locaux et qui faisait partie des locaux sur un des plans, et aujourd'hui c'est plus tard. Ça fait partie de la copropriété. Donc ça serait quand même à vérifier, parce que si demain vous signez un bail et que le plan n'est pas bon au niveau des millièmes et de la copropriété, il faudrait quand même le vérifier. Et si toutefois, modifier le règlement de copro, ça a un coût. Il faudrait qu'on s'adresse à l'ARS. De toute façon, il y a un problème sur les plans. Alors, je m'excuse, c'est vrai que je suis un peu plus avec mes plans. Mais sur le plan de la copropriété, vous avez le parti qui appartient à la maison médicale. Et sur le plan que vous avez annexé dans le bail, la partie est fait partie de la copropriété extérieure. C'est ça. Oui, j'ai vérifié. J'ai vérifié de quoi. Sinon, je n'ai pas d'autres questions. Le souci, quand même, c'est que si les médecins, aujourd'hui, en fait, ils sont quand même obligés de créer une association pour répartir leurs charges intérieures. Et à une, c'est un problème. C'est tout, merci. Merci. Nous allons passer au vote. Monsieur Geoffroy. C'est une proposition d'amendement concernant le nom, la dénomination officielle de la maison de santé, c'est l'article 1 de la délibération. Donc l'article 1er, je propose de le libeller ainsi, donc article 1er, de procéder à la dénomination officielle de la maison de santé médicale comme suit, maison médicale Adélaïde Hauteval. Pour l'information de tous, donc Adélaïde Hauteval est née en 1906 dans l'Est de la France. Elle est morte le 12 octobre 1988 à Groslay. C'est une médecin rescapée des camps de concentration nazis et reconnue juste parmi les nations. Elle a été arrêtée en franchissant la ligne de démarcation pour des raisons personnelles. À la prison de Bourges où elle est internée, elle prend la défense en allemand d'une famille juive, elle-même ne l'étant pas. Et les amants lui disent, puisque vous défendez les juifs, vous partagerez leur sort. Et elle est déportée à Auschwitz par le convoi du 24 janvier 1943. Elle survit, elle refuse de participer à tout un tas de pseudo-expériences médicales sur des déportés. Elle est décorée de l'Ordre national de la Légion d'honneur en décembre 1945 pour son dévouement
envers les autres déportés dans les camps. Et elle reçoit le 18 mai 65 la médaille des Justes parmi les nations. Elle renvoie sa médaille après le massacre des Palestiniens des camps de Sabra et Shatila à Beyrouth en 1982. Se découvrant des signes de la maladie de Parkinson, elle met fin à ses jours le 12 octobre 1988 à Gorée. Donc il y a quatre motivations à la présentation de ce nom. La première motivation, c'est que c'est une médecin. La deuxième motivation, c'est qu'elle a vécu de longues années à Grolet, puisqu'en gros, elle a vécu de 1946 à 1988 à Grolet. C'est une femme, et elle est juste parmi les nations. Et il nous semble que c'est une bonne occasion de lui rendre hommage que de dénommer la maison médicale, la nouvelle maison médicale, avec son nom. Donc on met aux voix cette proposition d'amendement. Je ne rentre pas du tout dans le mérite du nom. Je voulais simplement préciser une chose. Ce que nous pouvons faire ici, c'est donner un nom au bâtiment. Donc le bâtiment, on l'appelle comme on veut. L'entité qui dispense les soins, c'est une CISA, Société Interprofessionnelle de Soins en Ambulatoire, qui existe depuis un certain moment et qui s'appelle Henri Goldstein. Donc l'enseigne sur le cabinet médical sera Henri Goldstein. Nous, on peut donner un nom au bâtiment. C'est simplement la précision que je voulais faire. Donc on peut l'appeler, il sera la maison médicale Henri Goldstein qui sera assise dans le bâtiment, on l'appelle comme on veut. On peut l'appeler la NEC, on peut l'appeler Clara Morgan, on l'appelle comme on veut. Mais c'est le bâtiment qu'on peut appeler, pas la maison médicale, parce que l'entité qui dispense les soins, c'est une association qui existe et qui a son nom. On ne peut pas modifier. C'est tout. Ok. Moi, je vais rajouter quelque chose. Je vais rajouter quelque chose. Or, il s'agit bien d'un cabinet pour les médecins généralistes et pas d'un médecin, et pas de, comment dirais-je, d'un cabinet en fait psychiatrique, puisqu'en l'occurrence, Mme Frédérique Hogan était en fait un médecin psychiatre. Voilà. Donc c'est une motivation pour moi, effectivement, de dire que si on veut mettre, effectivement, Mme Adélaïde Hogan à l'honneur, on pourra le faire de nombreuses façons, puisque, vous ne le savez peut-être pas, on a encore deux tranches supplémentaires au niveau des Monts du Val d'Oise. Il y aura notamment une zone médicale sur les Monts du Val d'Oise et il sera tout à fait indiqué, effectivement, à ce moment-là, de rajouter peut-être Mme Adélaïde Hogan. Mais par contre, pour un cabinet qui est un cabinet de médecins généralistes, je pense que M. Lennec, qui a été quand même extrêmement profitable pour l'ensemble de la profession des médecins, me semble tout à fait indiqué en ce cas. Monsieur. Enfin voilà, la proposition de motion, elle est posée sur la table. Je souhaite qu'on la vote. Je ne veux en aucun cas rentrer dans une discussion sur la légitimité d'un tel ou un tel. Pour moi, le fait que cette personne soit grolésienne, c'est un critère, et une femme, c'est des critères qui sont importants à nos yeux. Et donc, c'est pour cette raison qu'on fait cette proposition. Donc, j'ai proposé un amendement, il faut qu'on vote l'amendement. L'amendement. Oui, j'ai proposé un amendement. Alors, qui vote pour l'amendement? L'amendement est adopté. Mais là, on change. Je vais
Non, l'amendement il passe, donc ça veut dire que l'article 1, l'article 1, l'amendement consiste à dire que l'amendement consiste à modifier. Nous venons de modifier l'article 1er. L'article 1er de la délibération dit maintenant de procéder à la dénomination officielle de la maison médicale comme suit, maison médicale Adélaïde Tepal. Donc c'est cette délibération maintenant modifiée qui est mise au vote. Avec l'article 1er, l'article 2, l'article 3. Ok, parfait, donc tu as adopté. Alors je vous signale qu'on revotera au prochain conseil municipal. Voilà, merci. Excusez-moi. L'amendement tel qu'il est n'est pas correct. Parce qu'il faudrait dire bâtiment. La maison médicale, c'est une organisation de médecins. On ne peut pas leur changer de nom. On peut baptiser le bâtiment. Est-ce que vous avez vu la délibération, le projet de délibération? Oui. Et alors comment il est divisé aujourd'hui le projet de délibération? J'en ai discuté aujourd'hui avec Madame la DGS et je lui ai demandé justement de la corriger. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, la délibération qui nous est proposée. Pas de souci. Bon, on est d'accord? Pas de souci. On revotera au prochain conseil municipal. Voilà. Pour l'instant, c'est adopté. Alors, qui vote pour? On va tourner. On vote quoi là? La délibération avec l'amendement. Alors, pour? Ah non, non, non. Ok, donc c'est pareil, c'est 13. Et nous, c'est 2P. Vous votez contre? J'ai pas compris. Qui a voté contre? Qui a voté pour? Qui s'est abstenu? Alors, vous avez voté pour, effectivement, gérer cette délibération avec cet amendement. Donc ça veut dire que c'est adopté. Mais qui a voté contre et qui s'est abstenu? Alors, il y a 13 personnes qui ont voté pour. Donc vous êtes majoritaire. Non, mais qui vote contre et qui s'abstient? C'est important de détailler le vote. Alors, on va recommencer. Donc, pour. Donc, Persic, Geffrotin, Deugliard, Moyer, Dubos, Moussard, Geffroy, Dercaou, Jousserand, Corinthe, comment s'appelle? Monsieur Boisseau. Est-ce que le même Steinman dans le cas m'a dit le contraire, n'est-ce pas? Vous expliquerez avec elle. Oui, je discute avec elle. Alors, qui s'abstient? Donc, Monsieur Leffet et Coudrier. Donc, adopté. Et donc, je veux juste faire part de mon étonnement que la majorité, que les élus de la majorité ne votent pas pour une délibération qui fixe le montant des loyers mensuels, hors taxes, etc., et qui permet à la maison de santé de démarrer. À cause de votre amendement, monsieur Geffroy? Non, mais enfin, ok, je dirais que le ridicule ne tue pas à cause. Non, ça n'a rien à voir avec le ridicule. Nous, on ne veut pas de votre balle, ouais, c'est tout. Je trouve ça honteux de parler de Madame Adélaïde Hautval de cette manière-là. Franchement, ça n'a rien à voir. Moi, j'avais demandé de la ENEC. Vous voulez de Hautval? Moi, je ne veux pas de Hautval. Vous voulez pas de la ENEC? Moi, je trouve ça honteux, effectivement, de ne pas mettre la ENEC. Donc, c'est pareil. Pourquoi vous seriez, comment dirais-je, le maître de la morale et pas les autres? Monsieur, la délibération a été adoptée. Oui. Et donc il y aura une balle. D'ailleurs. Oui. Mais grâce à l'opposition. Bah, attendez, il faut. Ah bon. Il faut pas. Il y aura de la polémique. Je demande la parole. Ouais, monsieur Siffle. Il y a deux aspects complètement différents. La délibération serait passée quoi qu'il arrive. Donc l'important pour moi, c'est que la délibération est passée. Qu'il soit passé avec les voix, le sien ou le mien ou le sien, qu'importe. L'important, c'est que la délibération est passée. Donc, les Grelésiens auront leur maison médicale, qui n'est pas grâce ni à M. Lanec, ni à Mme Demain, etc. Donc, ça, c'est différent. Donc, finalement, c'est pas que les Grelésiens auront la maison médicale grâce à vous. Parce que si vous n'avez pas fait
présenter la motion, c'est nous qui l'aurons voté, donc quoi qu'il arrive, ça aurait passé. Il ne faut pas aller chercher. Ah non, les ridicules, ne jouent pas. Mais c'est ridicule. Non, on aurait pu voter par article. On l'a pas fait. Il a voté le non, Pierre. Allez, on passe au, à la délibération suivante. Monsieur Girard, toujours. Cette présentation de la décision municipale est numéro 2. Pourquoi nous avons opéré cette opération? Parce que nous sommes confrontés à une augmentation considérable des coûts des chauffages et des prestations extérieures. Ont été démultipliés entre juin 2021 et juin 2022 par 2,7. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on réaffecte à ces dépenses des sommes complémentaires. Donc, nous avons décidé de modifier à titre d'exemple, les redevances de gaz sont passées sur le relevé de juin 2021 à 12 000 euros, à 30 000 euros sur le relevé de juin 2022. Ce qui veut dire que si on continue comme ça, et ça va sûrement continuer comme ça, on va se retrouver ici au 31 décembre avec 200 000 euros de gaz, plus 60 000 euros de DF, et peut-être de l'eau en quantité importante, ça on ne sait pas, on estime. Bref, dans ces conditions, nous avons donc pensé, de l'eau, on avait pensé de l'eau plus 20 000 euros, le gaz plus 200 000 euros, l'électricité plus 60 000 euros. Et les contrats de maintenance, évidemment, sont en fonction des consommations et des facturations. Donc, on a donc décidé de réaffecter certains postes de dépenses comme des recettes en fonction des nouvelles charges apportées par cette nouvelle inflation. Alors, s'agissant de la section de fonctionnement, les crédits à réduire sont de 328 000 euros et concernent essentiellement le personnel extérieur, en particulier le dossier tremplin, qui d'ailleurs avait déjà été plus ou moins aligné par la Chambre régionale des comptes, donc nous l'avons dérivé de 80 000 euros. En plus, que nous avons fait des embauches, ceci se compense cela. 20 000 euros en diminution, 20 000 euros qui étaient à l'indemnité des élus, et 214 000 euros concernant le virement de la section d'investissement. S'agissant de la section investissement, on a diminué les crédits concernant les dépenses imprévues de 10 000 euros. C'est ce qu'on avait établi au début du mandat de cet exercice. Et on arrive au deuxième mois, on n'a pas touché un sou de cette ligne. L'acquisition est intervenue diminuée de 50 euros, ce qui est intéressant pour les faire et on ne le fera pas. Le report de certains travaux décalés sur 2023, 43 100 euros. Les chalets de Noël, on avait mis 14 440 euros, et qui sont remplacés par des modifications. Donc, ça veut dire que ces 14 440 euros quittent la section investissement pour passer en section fonctionnement. Les installations de transmetteurs pour anti-intrusion pour 69 000 euros, cet investissement étant intégré au marché de la télésurveillance. Et enfin, des divers qui sont de 10 000 euros au titre des réseaux et 14 000 euros au titre des autres constructions. Alors, dans ces conditions, les économies réalisées sur ces secteurs totalisent la somme de 214 000 euros, correspondant exactement à la diminution de transfert de la section de fonctionnement à la section d'investissement. La somme de ces transferts passant dans la somme. Donc, la totalité de ces opérations totalise donc la somme de 1 540 385 euros et passe à 1 236 385 euros, donc différence 214 000. Merci, monsieur. Des questions? Monsieur Girard parlait d'augmentation en valeur, mais qu'en est-il du volume? Est-ce que le volume est constant? Est-ce qu'on a une augmentation aussi du volume de consommation de gaz et électricité? C'est une grande multiplication de tarifs. De mémoire, 2,7.
D'autres questions, monsieur Boisseau? Oui, je voudrais juste avoir des précisions sur la commission des finances. Quand vous parlez dans l'article 63, on a une augmentation de 14 000 euros de location immobilière. Ça correspond à quoi? Non, c'était au titre des autres constructions, 14 000 euros. C'est-à-dire ? Autres constructions, des endroits. Pas dans un endroit. Construction, c'est des constructions, c'est pas des endroits. C'est de la location mobilière, c'est pas de la construction. On est dans du fonctionnement, là, je suis d'accord. C'est bon. Vous savez pas. Non, j'ai pas fini. Dans l'article 62-18, donc on diminue de 80 000 euros avec le tremplin. Comment va-t-on remplacer le personnel en arrêt? Est-ce que ça concerne un pour la cantine, pour la prise de bloc? Ça, c'est une bonne question. Je vous en remercie. Ou alors, de manière exceptionnelle. D'accord. Et après, une autre question, c'est concernant le budget sur les indemnités des élus. En fait, vous inscrivez 94 000 euros, alors qu'en prend le budget 2022, il inscrit 100 000 euros. Et je me pose la question, pourquoi pas baisser plus de 20 000 euros, alors qu'il nous reste que 3 agents et 4 délégués sur cette émission. Et en plus, dans le budget, il est inscrit des montants pour des formations. Est-ce que le montant des formations a été utilisé ou pas? Donc, c'est éventuellement une somme qu'on aurait pu récupérer. Oui, donc c'est pas grave, c'est une proposition, je ne propose pas d'amendement. En commission de finances aussi, on nous parle de la roue du champ d'asile, qu'on reprend l'article 21.11 sur les terrains nus. Sauf que dans la délibération, on parle d'acquisition de terrains derrière la rue Thiou et la rue des Ouches. Donc on va savoir à quoi ça correspond. Est-ce que c'est bien l'allumement de la roue du champ d'asile qui a été reporté pour 50 000 euros? Donc dans la délibération, il y a une erreur. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le dernier point, donc j'en ai encore, je voudrais savoir sur le financement, donc le 21-28 sur l'aménagement du terrain derrière les Ouches, il est inscrit 12 559. Non, vous avez inscrit les 12 559 sur le terrain. Ah, oui, c'est la dernière. Donc vous diminuez de 14 440. Je veux savoir où on est sur ce projet, combien on a dépensé, et ça veut dire que si on réduit de 14 440, ça veut dire que le projet est arrêté. Non, pas du tout. Simplement, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir des subventions, donc on va demander des subventions. D'accord, très bien, c'est parfait. Et pour les autres bâtiments à moins 43 100 dans l'article 21.318, de quels travaux s'agit-il? Donc en commission de finances, vous avez parlé de la maison de l'Olibou. Tout à fait. C'est ça, c'est confirmé. Et une baisse dans l'article 23.15 pour 69 000 euros. De quel matériel parle-t-on? Est-ce que c'est du matériel pour le service technique? 69 000 euros. Installation matérielle et outillage technique dans le 23.15. Parce que 69 000 euros, ça me paraît énorme. Enfin, c'est des économies. Oui, des économies pour que les gars apprennent les réunions pour travailler, c'est un peu dommage. Et ensuite, donc, l'investissement, donc le 0,21, on fait un virement de moins 214 000 euros sur l'investissement. C'est sur quel projet que ça va être impacté, ça? Dans l'investissement. On n'a pas défini un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la rue des Carrières, on en a parlé, puisque vous avez pris une décision pour une demande de subvention, est maintenue, et la rue des Mériens également. Tout à fait, elle démarre d'ailleurs la rue des Mériens, je vous l'annonce. Le chantier démarre le 17 octobre. C'est tout, monsieur le maire, bon, merci. Alors, j'avais une question vraiment sur cette délibération. On parle beaucoup des chiffres des hausses dues principalement au flux eau, électricité et gaz. Comme vous l'avez dit, une fois 2,7 en un an, c'est ça? La question est. Actuellement, le gouvernement incite fortement les entreprises à faire des plans de sobriété énergétique, les villes également. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Pour
problème, c'est qu'on est déjà dans la solidité. Et faire plus ça, ça va être compliqué. Si je comprends mes services techniques, là, si demain, le jour 1, on arrive à garder les véhicules, faire de l'essence pour effectivement tailler les, etc., il va falloir augmenter le nombre de personnel, parce qu'on ne va pas faire une chose sans d'énergie, l'énergie de recarbure. Je rappelle que, un être humain consomme 3000 kcal par jour quand il travaille, dans les champs. Par contre, un litre de pétrole fournit 300 000 kcal. C'est l'équivalent en fait de 100 êtres humains. Ça veut dire que si vous êtes ingénieur, vous êtes capable de transformer l'énergie chimique des hydrocarbures en énergie mécanique, vous êtes capable de faire le travail de 100 êtres humains. Enfin, moins lent, bien évidemment. Donc il est bien évident que, à moins, effectivement, on peut très bien effectivement être beaucoup plus sobre sur ce poste, mais dans ce cas-là, il va falloir augmenter de façon drastique le nombre de gens qui vont devoir travailler pour la commune. Or, le prix n'est pas le même. Voilà. Madame Jusqu'en. Je crois que dans les solutions préconisées, il y a aussi beaucoup d'investissements, y compris dans les énergies renouvelables, ce qui n'a rien à voir avec l'utilisation d'essence ou pas. Et quelle énergie renouvelable, Madame Jusqu'en? Est-ce que vous savez comment construire des panneaux photovoltaïques? Et la ville se doit aux habitants de mettre en place des actions, de prendre en compte ce qui se passe actuellement pour les années à venir, ne pas se retrouver avec des augmentations de flux qui ne sont fonctionnées que sur d'autres choses. Peut-être qu'il faut prévoir sur le court terme, sur le moyen terme et surtout sur le long terme de faire des économies réelles d'énergie. Et donc les remplacer par quoi? Eh bien, faire des études, tout ça. Moi, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les données, je ne suis pas la même. On l'a, et puis donc, finalement, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas pour le pays. C'est fabriqué par le sable. Donc, ce sable, il faut le réduire avec des carbones, des particules de CO2, on transforme en SiO2 en silicium. Donc, chaque atome de silicium génère un atome de CO2, donc 40 grammes de CO2, pour 60 grammes de silicium. Et après, il faut les débuter de façon incroyable, parce que ça nécessite beaucoup d'énergie. Ensuite, il faut les débuter de tout le germanium. Et ensuite, vous voulez les mettre en œuvre, il faut les transporter, etc. Et il s'avère qu'entre l'énergie qu'on impute, dans un panneau photovoltaïque et l'énergie qui est restituée, il faut plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et encore dans de très bonnes conditions. C'est-à-dire des conditions qui ne sont pas celles de relève. Donc aujourd'hui, si les énergies renouvelables effectivement paraissent une solution, c'est parce que derrière, il y a du pétrole. Parce que derrière, il y a du charbon. Sinon, ce n'est pas une solution. Voilà, madame, je vous comprends. L'exemple du pétrole est très basique. Par exemple, on peut constater que les employés des espaces verts utilisent des énergies provenant du carbone, alors qu'il y a encore peu de temps, ils le faisaient sur la machine qui n'utilisait pas d'intérieur, c'est-à-dire des objets manuels. Mais bon, la question oui, mais la vitesse n'est pas la même. Mais oui, la vitesse n'est pas la même, mais le résultat n'est pas le même non plus. La sobriété, c'est justement se passer de choses qui arrivent à être limitées et à avoir des prix qui deviennent dingues pour justement trouver d'autres solutions. J'ai entendu parce que vous m'avez dit. J'ai entendu parce que vous m'avez dit. J'ai entendu parce que vous m'avez dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le rendement n'est pas là. Donc, du coup, les voisins étaient contents, l'arrêt des balais, on s'est envoyés, c'est pas dans l'entrée du menu, c'est pas sur ceci. D'ailleurs, vous-même, sur les réseaux sociaux, vous disiez la même chose. Donc, on est à la commune, à des pratiques. Vous-même, c'est la même l'opposition. Pas vous, personne. Vous-même, en fait, sur les réseaux sociaux, on est à l'arrêt de dire qu'effectivement, on n'est pas fait. Il a fallu effectivement revenir à des pratiques qui sont des pratiques. On va dire. Peut-être des essais, via l'utilisation des énergies fossiles, mais qui donnent effectivement très bon travail. Alors, dans ce cas-là, il faut que les gens acceptent d'avoir des mauvaises herbes chez eux, et éventuellement acceptent de le faire eux-mêmes en entretien,
comme d'ailleurs le stipule en fait la réglementation. Ils veulent pas le faire. Monsieur le mécanisme, parenthèse, cet été, vers la fin de août, j'ai apporté de l'eau à des employés de l'espace qui étaient en train de biner à la main la redondance avec la vignette manuelle. Okay. Et finalement, je les ai réduits quelques temps plus tard avec des pellets, comme vous disiez, qui consomment de l'essence. Est-ce que vous m'autorisez à dire, parce que ces gens, je les connais, c'est aussi des amis, que Mme Jusson souhaiterait qu'ils binent à la main toute l'année. Comme ça, on n'est pas de l'essence. Je ne crois pas qu'ils soient faisables, à toute franchise. Monsieur Sisto, votre perche magnifique. Parlons de, justement de l'été, des températures excessives, etc. Des choses très simples seraient aussi de faire en sorte que les cours des écoles soient plus végétalisés et qu'il y ait moins de béton. Madame Jusseron, en fait, les arbres ne poussent pas aussi vite que les mauvaises herbes. Donc il faut combien de temps pour avoir un arbre? Il faut le planter maintenant. C'est pour ça que ça s'appelle un plan de sobriété énergétique. C'est quelque chose qui se prévoit dans le temps. Et c'est maintenant que ça se prévoit. Le fait qu'on ait plus effectivement d'eau n'empêchera pas qu'on devra quand même nettoyer les trottoirs via de la ville. Non, mais ça empêche que les bâtiments soient trop chauds. On parle de sobriété énergétique. Alors, les débuts, si ça tombe plus, c'est important, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Public, etc. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un truc qui vous a dit. Le fait d'utiliser ou pas des retouches plutôt que la vignette manuelle pour guider et nettoyer les trottoirs, c'est un truc qui est important. Donc, les deux choses, moi je suis d'accord avec vous, 100% de faire des investissements pour des crédits d'État, là je suis d'accord avec vous. Mais c'est le fait de dire, les employés des ministères techniques, on les envoie tous à la main. Parce qu'il utilisait le moyen mécanique. Consomme de l'essence, là je ne suis pas du tout d'accord. Mais pas du tout. Et ce n'est pas une question de sobriété énergétique, c'est une question de bon sens et de civilité. On ne peut pas obliger des gens à ne pas utiliser les instruments qui existent parce qu'ils consomment. Alors vous allez à pied, pour ça, on ne peut pas faire on a abolit les trains, on a abolit les bus, on ne consomme plus d'essence. Monsieur le Président, les avions. Vous prenez pas la question, madame. Je vous ai une question. Alors, si ça permet de prendre l'avion. Voilà. Oui, j'ai mangé un jet privé. Non, mais pour revenir sérieusement à la question, un plan de sobriété énergétique, c'est quelque chose qui est en commun avec des acteurs spécialisés dans divers domaines. Pour améliorer la ville dans son ensemble et les consommations, et c'est des choses qui se prévoient du court terme, du moyen terme et du long terme. Oui, bah, est-ce que la ville prévoit de faire un plan de sobriété énergétique? La question reste la même depuis le début. Alors, quand je suis arrivé, j'ai fait faire une étude par une personne qui était là à l'époque sur combien consommaient les bâtiments. Et combien ça nous coûterait en fait les décisions. Or, si j'avais fait ce que vous me dites, j'aurais rien fait d'autre. Mais ce que je dis, c'est juste de réunir des acteurs dans différents domaines, pas une personne qui fait une expertise dans son coin. C'est de réunir plusieurs acteurs pour trouver des solutions ensemble, pérennes pour la ville, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. C'est simple. Je vais vous répondre. Je n'ai pas besoin d'extraire. Voilà, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Bien, on s'est très bien identifié là où effectivement sont les consommations. J'ai regardé les consommations d'énergie.
c'est essentiellement le chauffage, l'éclairage et bien évidemment l'utilisation en fait, des hydrocarbures pour des machines qui servent soit à avancer, soit à couper, soit à biner, à enlever des herbes. C'est ça. Donc, ça, on sait. Il n'y en a pas d'autres. C'est des dépenses énergétiques. Il n'y en a pas d'autres. Donc ça, je n'ai pas besoin d'experts, je n'ai pas besoin d'ingénieurs, Monsieur. Et juste en parlant d'économie d'énergie, est-ce qu'on est réintervenu auprès de notre fournisseur pour l'éclairage public? Est-ce qu'il fasse des bonnes conditions d'économie aussi, même si c'est un contrat? C'est en cours. Mais j'avais pas stressé en fait de nous. C'est bien, il faut payer la consommation. Mais donc il faudrait peut-être aussi que l'État intervienne sur ce genre de société qui sont des associations. C'est en cours, justement. Vous voyez bien que Dalkia est sollicité, on attend des réponses, mais évidemment, ils ne sont pas pressés pour le moment. C'est évident. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui vote non? Qui s'appelle? Alors, je vous présente De Guilla, Moussa, Gévrois, Vercueilly, Lousseron, Coran, Steyman et Bosso. Qui c'est ça? C'est la langue. Alors, on passe à la note de présentation numéro 9. 8. qui cumule la somme de 92 660 euros. Dans cette affaire, on peut constituer une provision à hauteur de 15% de ces sommes, soit 13 889,04 €. Ce qui n'empêche pas le percepteur de poursuivre les relances à droite, à gauche. Peut-être qu'il dira dans un an ou deux ans, votre provision est trop forte, il faut la diminuer. Ou l'inverse. On ne sait pas mettre les opérations. Donc voilà, nous proposons, compte tenu de l'état de 92 660 € de créance du 2, de provisionner celle-ci à hauteur de 13 889,04 €, c'est-à-dire 15%. Merci, M. Julien. Y a-t-il des questions? On a mis des points par ailleurs, comme on dit souvent. Au-delà de la question de chaque année, on fait aussi la mission de valeur des créances, des recours, etc. Moi, personnellement, et j'aurais fait commentaire aux finances, ce qui me laisse complètement ébahi, c'est que derrière, il y a 90 000 euros pour éclairer rapidement de 1 000 000. C'est 1 000 000 essentiellement mis autre. Ça représente 1,5%. Du total des impôts payés par les voisins, sans bien aussi. Donc, la question que je me pose, c'est, surtout par respect envers les contribuables qui payent la cantine, qui payent le périscolaire, qui payent les impôts, et qui se retrouvent aussi à devoir absorber 1,5% en plus de ceux qui ne payent pas, quand même, ça m'interpelle. Personnellement, ça m'interpelle. Et ce n'est pas une question de polémique ou quoi que ce soit.
ça m'interpelle par rapport à ceux qui payent. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 1,5% des impôts des loisirs qui partent en fumée pour boucher le trou représenté par ceux qui ne payent pas. Je vous dirais, M. Citeau, si avec ça. Si avec ça. Ça me suffit. Donc la question, c'est quoi? Non, c'est pas une question, c'est un commentaire. Moi, personnellement, au-delà de tout, pourquoi moi tout de suite? Je vous dis pourquoi, vous verrez. Vous verrez. Mais non, vous êtes un des deux chefs de l'opposition. Si demain vous étiez maire. Ça va bientôt arriver. Si demain vous étiez maire, et un Grenoblien vous disait, vous vous êtes maire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour pallier à cette situation? On est dit, à vous dire, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est quand même, chacun a la même chose. Ça veut dire. Si je peux répondre, bien sûr. Monsieur Boisson. Quand même, minimum. Donne-lui des idées. Déjà, je ne veux pas vous donner la solution, parce que si vous êtes en place, ça vous la trouver. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que vous dites que vous parlez de 90 000 euros, mais 90 000 euros aujourd'hui, c'est une provision. En fait, on sait très bien qu'en fin d'année, quand on retrouve le compte administratif en général, on descend à 13 ou 16 000 euros de l'avoir à percevoir. Mais le montant des impayés. Je vais répondre à M. Boisson, parce que quand on est arrivé, on a eu 150 000 euros d'impayés, et c'était toujours la quantité. Mais les 150 000 euros, c'est bien, c'était pas sur une année. Non, c'était sur. Effectivement, un certain nombre d'années. Donc vous voyez, c'est en fin d'année. Du coup, ça veut dire que le travail n'a pas été fait, contrairement à ce que vous avez dit. Chaque année, il devrait réduire effectivement la dette et l'amener à 16 000 euros. Ça peut être. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que annoncer les bons chiffres. Quand vous annoncez 90 000 euros, c'est la dette qui augmente le temps que la perception perçoive tous les fonds, qu'ils fassent les procédures, ainsi de suite. Mais en fait, en tous les ans, oui, il y a 13 000 euros, en fait, qu'on est obligé de. Plus que 13 000 euros. Voilà. Néanmoins. Non, mais les chiffres, donc, ça ne correspond pas à 1,5% d'impôts, sauf vous dites des gros lésins qui. Non, mais le problème existe. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre le problème? Déjà, si les gens ne payent pas, déjà, il faut savoir si c'est de la mauvaise foi, s'ils ont des soucis financiers. De toute façon, des gens qui vont avoir des soucis financiers, vous en allez avoir de plus en plus. Vous le savoir, et c'est pas non plus en augmentant des fois des frais de cantine qu'on va voir tout à l'heure que ça va arranger les choses. Donc aujourd'hui, si c'est 13 000 euros, je dirais c'est pas énorme. Enfin, pour moi, c'est pas énorme sur un budget d'11 millions. Voilà. Sauf si les gens sont de mauvaise foi et qu'ils ne font pas le nécessaire, là, je suis d'accord. Quelqu'un qui roule en Mercedes et. Enfin, quoi que Mercedes, ça veut rien dire aujourd'hui. Mais qui rit en. Je vais répondre à M. Boisseau. On adore identifier qui roule même en Porsche Cayenne. Oui. Oui, mais voilà. Donc ces gens-là, je les condamne. Hein. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que ça produit, c'est pour ça. Les condamnés, c'est tout. Les gens qui roulent en Cayenne, il faut les poursuivre, il faut qu'ils payent la cantine. Et seulement ceux qui roulent en Cayenne. C'est tout? Mais ils ne sont pas solvables. Comment? Ils ne sont pas solvables. Ils ne sont pas solvables. Sont bien sûr qu'ils sont solvables. Non, pas cela. Bah, si la perception n'arrive pas à percevoir les fonds alors qu'ils ont des procédures à faire, à ce moment-là, il faut peut-être se retourner sur la. Parce qu'en fait, la Porsche Cayenne qui conduise, en fait, n'est pas à leur nom. Ce sont des gens malins. Bah, moi, j'ai toujours payé la cantine et je ne roule pas en Cayenne. Voilà. Bon, il y a une façon, hein, je veux dire, c'est d'exclure. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Non, mais au moins ça évitera en fait les pertes. Voilà. Mais on le fera. Voilà, c'est efficace. D'autres questions? Monsieur Geffroy. Non, c'est une petite question. Dans le budget, il y a des frais qui sont liés à l'utilisation de voitures de fonction. Apparemment, un certain nombre d'employés communaux disposent de voitures de fonction, c'est-à-dire pas des voitures de service, hein, des voitures qui sont à leur disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par exemple. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien quel montant ça représente, combien de voitures sont ainsi mises à disposition
Moi, je n'ai pas le détail, parce que je ne suis pas la compta. Et par contre, bon, je peux vous dire qu'il y a des voitures qui sont des voitures statutaires. Par exemple, madame la DGS a le droit à une voiture, c'est statutaire. Le DST, c'est statutaire. Là, tout à l'heure, on a parlé du changement d'une voiture, parce que c'était effectivement une décision du maire. C'est pas une nouvelle voiture. C'est simplement une voiture qui ne fonctionne plus et remplacée par une autre voiture. C'est tout. Voilà. Et du coup, l'attribution des voitures de fonction statutaire, c'est des décisions du maire ? Non, c'est de toute façon, ça ne m'incombe pas. Monsieur, ça doit passer par une décision. Dans le passé, ça passait jamais au conseil municipal. C'est statutaire. Non, je veux dire, d'attribuer une voiture à quelqu'un, ça fait l'objet de. À tous les DGS de France ont une voiture. Non, mais c'est pas ça. Ma remarque n'est pas celle-ci. Vous avez répondu à la première partie de ma question. La seconde partie de ma question est la suivante. Je comprends qu'il y a l'attribution que vous attribuez des voitures à des. J'attribue pas, moi. Quand je suis arrivé, c'était déjà le cas. Ah bon, la DGS, elle n'était pas là. Mais il y en avait une autre. Elle a repris la voiture qui était déjà. Si c'est des attributions individuelles. Monsieur, j'ai froid. Donc, quand on est arrivé, il y avait une DGS qui n'était pas madame de Blaise. Elle avait une voiture. Quand elle est partie, elle avait laissé sa voiture. Et madame de Blaise est arrivée, elle a repris sa voiture. C'est tout. Vous avez pris un arrêté ou une décision pour lui affecter la voiture. Arrêtez. C'est clair. Je comprends, c'est qu'il y a 3, 4, 5, 6 voitures comme ça qui sont attribuées à des employés de commun. Alors, il y a des tas de voitures qui ne sont pas attribuées, qui sont, quand le besoin s'en fait sentir, les gens prennent la voiture et puis voilà, c'est tout. C'est des voitures de service, ce n'est pas des voitures de fonction. Attribuées, de fonction. Des voitures de service. Est-ce que des policiers municipaux, par exemple, ont des voitures de fonction ? Non, ils ont des voitures de service. D'accord. Donc ils leur remettent tous les soirs. Ils le remettent ou ils vont ailleurs, mais selon les besoins du service. Voilà. D'autres questions ? Très bien. Nous allons passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Moussard. C'est tout ? Adopté. Merci. Donc là, nous passons à la délibération numéro 9. Il s'agit de la conclusion de l'avenant au contrat groupe d'assurance statutaire relatif aux évolutions réglementaires modifiant les obligations statutaires des collectivités territoriales. Pour donner suite aux évolutions réglementaires modifiant les engagements statutaires des collectivités envers leurs agents et à la négociation du CIG avec ses partenaires, il résulte que les collectivités, les plus de 30 agents affiliés à la CNRACL, adhérentes au contrat groupe d'assurance statutaire 2019-2022 ont le choix d'adapter ou non leur contrat par un avenant. La ville de Morlaix adhère à ce contrat groupe assurance statutaire 2019-2022 proposé par le centre de gestion de la Grande Couronne en partenariat avec Sofaxis et CNP Assurance et opte pour l'adaptation de son contrat par un avenant. Les garanties seront accordées rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 et le taux de cotisation initiale sera majoré de 0,13%. Ces garanties assurantielles porteront sur les modalités de remboursement suivantes, capital d'essai, maternité, paternité, adoption, temps partiel, thérapeutique. Il est proposé au conseil municipal d'adapter le contrat groupe assurance statutaire en adéquation avec les évolutions réglementaires et d'autre part d'approuver la majoration du taux de 0,13% et enfin d'autoriser le maire à signer l'avenant et toutes les pièces utiles à sa mise en œuvre. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Nous allons passer au vote. Contre ? Abstention ? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 10 qui concerne la création de postes au sein de la ville de Groslay. Alors, d'une part, pour permettre le recrutement d'agents auprès de l'ALEL SH, tant sur les contrats du périscolaire, donc temps non complet, à raison de 25 heures par semaine, que sur ceux de l'extrascolaire, temps complet, il convient de créer des postes permanents afférents. D'autre part, afin de pouvoir recruter une comptable ou un comptable, ainsi qu'un agent d'accueil secrétaire au service technique, il est nécessaire de créer deux postes administratifs. Par le passé, la législation tolérait de créer et ou de supprimer des postes par la simple modification du tableau des effectifs. Aujourd'hui, la collectivité est dans l'obligation de se conformer au décret numéro 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces
justificatives des dépenses, et notamment celles liées aux rémunérations. Enfin, pour permettre la prise en compte des mouvements du personnel communal intervenus depuis le 23 juin 2022, il est indispensable de mettre à jour le tableau des effectifs. L'objet de la présente délibération est de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et de réajuster le tableau des effectifs. Donc, tableau, c'est-à-dire qui se trouve dans l'annexe que vous avez reçue. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le lire. Y a-t-il des questions ? Monsieur Moussard. Est-ce que vous pouvez expliquer la colonne occupée par rapport aux trois autres colonnes qui sont la à peu près occupée ? C'est les postes occupés. Ouais. Alors, il y a les postes autorisés, il y a les postes pourvus, il y a les postes à pourvoir et les postes occupés. Occupés par des contractuels. D'accord, c'est les contractuels. C'est ceux qui ne sont pas en fait titularisés. D'autres questions ? C'est vrai que ce n'était pas le cas avant, on n'avait pas cette colonne. Vous avez raison. Y a-t-il une autre question ? Oui, on en a une, mais c'est plus en question. Peut-être que. À l'article L332-14 du CGCTP. Ça correspond à quoi exactement ? Voilà. Non, mais c'est le cas où vous avez la réponse, sinon j'irai voir sur Internet. Non, non, allez voir, parce que je ne connais pas par cœur tous les articles. De savoir quel type de contrat ça met en place. Est-ce que c'est un contrat indéterminé ou déterminé ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Voilà, mais bon, on a une responsable RH. Si vous voulez, allez la voir. Je ne connais pas tous les articles de CGCT. D'ailleurs, personne ici les connaît. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Non, pas de questions, nous allons passer au vote. Contre ? Abstention ? Unanimité ? Merci. On passe au dossier numéro 11, qui est présenté aussi par M. Girard. Il s'agit des tarifs de concession au cimetière communal de Grolet. Il s'agit des concessions au cimetière communal de Grolet pour l'année 2023. Donc, il est proposé, donc, on propose une augmentation de ces concessions de 1%. Ce qui veut dire que pour les tarifs des concessions, s'établirait comme suit, 15 ans à 174 euros, 30 ans 419 euros et 50 ans 1006 euros, avec des tarifs spéciaux pour les décès de jeunes enfants. Donc, de même, les tarifs du columbarium s'établiraient donc à 174 000 euros pour 15 ans et 419 euros sur 30 ans, et avec un tarif spécial pour les jeunes décès. Les caveaux provisoires s'élèveraient donc à, le coût du caveau provisoire s'élèverait à 9,60 euros par mois en gage. Voilà. Merci Monsieur Girard. Des questions ? Monsieur Boisson. C'est pas une question, c'est une chose qui m'interpelle en fait. De faire payer, je dirais, une famille qui perd un enfant de moins de 7 ans, je trouve ça un peu dommage. Donc bon, pour 70 euros, je pense qu'on pourrait faire un effort. D'annuler cette tarification. Oui, bon, bah, on va faire ce que vous voulez. Je me demande si c'est un truc sur lequel on a vraiment la main. On a percepteur au nom de l'État. J'ai l'impression. On l'enlève pour l'instant, on enlève la ligne. Bon, c'est mieux. Voilà, et puis c'est de toi la préfecture. On enlève la ligne parce qu'on va vérifier effectivement si c'est possible. Voilà. Donc on note qu'on enlève les lignes. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vous en prie, monsieur Boisson. Et on va passer, s'il n'y a pas d'autres questions, au vote. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci.
Alors, on passe donc au dossier numéro 12 qui concerne le scolaire. Donc, il s'agit de la création d'un territoire commun pour la restauration scolaire. La volonté de la municipalité, lors de sa campagne, était de ne pas augmenter les impôts locaux de la commune, et ce, malgré une pression financière forte. Bien qu'on est un gros lait à 35%, donc le taux communal, et nous n'avons pas augmenté depuis notre arrivée. Alors, soucieuse de privilégier les habitants de Groslay, il apparaît aujourd'hui nécessaire, comme c'est le cas dans les villes environnantes, parce que ce n'est pas que Groslay, de créer pour la restauration scolaire un tarif hors commun. Ce nouveau tarif, basé sur les charges supportées au titre du service de restauration, s'élèverait à 7,50 €. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver cette création de tarif hors commun pour la restauration scolaire. Y a-t-il des questions? Monsieur Boissou. J'aurais une question technique en fait. Quand, pour les familles monoparentales qui sont, je dirais, dont le père ou la mère, peu importe, n'habite pas la commune, ça veut dire que la semaine où l'enfant est avec le père, mettons qu'il habite à Saint-Brieuc, je prends un exemple, il paiera 7,50 €. Question effectivement pertinente. Pertinente. Voilà. Et une autre question, si est-ce pas que. La commune, ça veut dire qu'on ne perçoit pas d'impôt. Ah ben c'est une question. Ah oui, on va l'appliquer. D'accord. Et l'autre question, c'est concernant la classe de la CLIS. D'ailleurs, je trouve un petit peu bizarre en fait qu'un enfant en fait change de classe. Non, il change pas de classe. Il change de maison. Il change pas d'école. Il change pas d'école. Attendez, vous me dites, son père habite dans une ville A. Oui. Il vient à l'école dans une ville B. Oui. Et il est domicilié dans la ville A. Bah oui, bah c'est quand il y a la garde alternée. Oui, bah, sauf que je dirais que la logique, ça serait de mettre dans la ville, là où il est, techniquement. Mais il n'est pas techniquement, parce que toutes les semaines, ça change. Non, mais je suis d'accord, mais il change. C'est pas moi qui fais les lois, monsieur le maire. Monsieur Boisseau, excusez-moi, mais soit les gens ne sont pas intelligents, soit il y a un problème. Excusez-moi. Ça vous regarde. Attendez, parce que si votre enfant est dans à Groslay, je pense que les parents sont suffisamment intelligents pour le domicilier à Groslay. Voilà. Et donc, du coup, il ne paiera pas, en fait. C'est une question technique. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit. Et la deuxième question, c'est par rapport à la classe de la CLIF, où il y a des gamins qui sont beaucoup de l'extérieur. Lys. Pareil, est-ce que le tarif va être appliqué? Tout à fait. Il vient de dire. Vous savez combien d'enfants sont concernés par cette mesure? Non. D'accord. Moi, je le sais, il y en a 39. On a 6 enfants en ULIS. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont en situation de handicap et qui n'ont pas le choix que de venir placer par la MDPH à l'école Alphonse Daudet. Donc, ces 6 enfants sont déjà lésés à cause de leur handicap et en plus, on va les aligner encore plus. C'est pas les enfants, c'est les parents. Non, n'hésitez pas. Oui, enfin, ça revient au même quand même. On a 9 enfants d'employés communaux. Mmh. Eux, vous allez les faire payer aussi à 7,50 €? Et les enfants des employés communaux? Je ne sais pas. Pourquoi? Bah, vous n'y avez pas réfléchi? Si, si. Donc, en fait, on les vous êtes capable de me dire oui ou non? Non, non, les employés communaux, c'est à part. Bah, ils sont hors communaux aussi. Oui, je suis d'accord, mais ce sont les employés communaux. Donc, on n'appliquera pas pour les employés communaux. D'accord. Et toutes les professions libérales qui payent déjà des impôts sur la commune, donc qui participent à la collectivité et qui ont choisi de mettre leurs enfants sur Groslay, eux aussi vont payer aussi en plus. Ils sont pas, ils payent pas d'impôts à Groslay. Ah si, ils payent une CFE. Ah oui, mais ils sont donc, pas. C'est un impôt sur Groslay. Donc on les taxe doublement. Et encore une fois, on n'est pas les seuls à faire ça. Non, j'ai pas dit qu'on soit les seuls. On n'est pas obligé. Oui, on n'est pas des monstres. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Il y a plein d'autres choses qu'on ne fait pas comme tout le monde. Donc. Et c'est normal que ce ne soit pas passé en commission scolaire. On n'en ait pas débattu en commission scolaire. Les commissions sont consultatives de toute façon. Oui, même mais si comme la commission de finances. Pourquoi il n'y a pas eu de commission de scolaire pour débattre de tout ça? Ah, il n'y a pas eu. Ok. Et on change les tarifs de la cantine en plein milieu de l'année. Ça pose problème à personne.
C'était mes interrogations. On est pas tout à fait à la rentrée. Oui, parce que bon, il n'y a pas une fonction municipale avant, mais on est quand même au début de l'année. Il aurait dû avoir lieu effectivement peut-être un peu avant, sauf qu'il n'y a pas eu de conseil municipal avant. Il y en a eu un le 23 juin, donc on aurait pu anticiper. Oui. Monsieur, juste pour vous dire, c'est pas 6 enfants de la classe UNIS qui sont 12, il y a 12 enfants qui viennent hors commune, et il y a aussi des enfants de. Pourquoi il n'y met pas dans la commune ? Monsieur, quel est le but en fait de cette manœuvre ? Est-ce que c'est de financer le système ou est-ce que c'est de limiter le nombre de places pour les enfants que, bon, de toute façon, quelqu'un paye. Donc là, on parle d'argent. Qui va payer ? De toute façon, ça sera des personnes. Donc, plutôt que ce soit les parents, vous préférez que ce soit l'ensemble des grenadiers, c'est comme vous voulez. C'est tout. De toute façon, quoi qu'il arrive, quelqu'un paiera. C'est pas gratuit. Oui, mais est-ce qu'on veut plus d'enfants dans les écoles à Grelais ? Est-ce qu'on veut limiter le nombre d'enfants dans les écoles à Grelais ? C'est la question. Quel est le problème ? Le problème, c'est l'ouverture ou la fermeture de classe se produit régulièrement. Alors là, on parle de classe Ulysse. Donc on parle pas que de classe Ulysse, on parle de classe en général. Si on refuse des enfants hors commune, ça va être dissuasif, qu'on soit bien d'accord. Le tarif maximum de la cantine actuellement, il est à combien ? Le plus haut du quotient familial ? 6,94. Donc on parle de 60 centimes sur 39 gamins. Et on risque de fermer les classes. On risque pas. Là, vous êtes en train de crier au bout. On risque rien du tout. Maintenant, il n'y a pas 39 enfants. Parce qu'il y a les enfants des employés de la ville. Donc, il y en a en gros 25. Oui, pour l'instant, on n'a pas réussi à me répondre si les enfants des employés communaux sont concernés par cette mesure ou pas. En même temps, moi je poserais la question, est-ce que c'est au gros lésir en fait de payer pour des gens qui payent pas d'impôts pour l'air ? C'est ça le problème. Ça c'est le débat. Est-ce qu'il faut faire payer le contribuable ou est-ce qu'il faut faire payer l'usager ? Et moi je vous l'avais dit. Je préfère faire payer l'usager plutôt que le contribuable. Voilà. Actuellement, les familles, les enfants hors commune, elles payent le plein tarif ou elles payent le quotient. Elles payent le quotient familial. Parce que du coup, si on part du principe que l'école est un droit universel, etc., pourquoi il y aurait des enfants privilégiés par rapport à d'autres au niveau des tarifs de la cantine uniquement ? Finalement, l'école, c'est pas un service qui rend la mairie. En tant que tel, c'est une valeur que tout l'État français partage. Dans ce cas-là, faisons un tarif unique, le même pour tout le monde. Non, le quotient, justement, il permet d'être. Non, la justice, l'égalité, c'est pas faire la même chose pour tout le monde. La justice, c'est pas de punir ceux qui gagnent plus d'argent. Non, la justice, c'est que les gens qui gagnent plus d'argent soient solidaires avec ceux qui ont gagné moins. Non, la justice, c'est quand vous avez fait des efforts dans la vie, vous gagnez plus d'argent. Ça n'a rien à voir. Vous ne punissez pas, ça n'a rien à voir. Là, c'est hypothétique de dire que les gens qui ont plus d'argent... C'est ce que disait d'ailleurs un homme politique qui a été élu d'ailleurs président de la République. Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu dire ça. Moi, je l'ai entendu. Donc, non, mais l'instruction, c'est quelque chose qui est important. C'est quand même quelque chose que j'imagine là, partager. Justement, si c'est important pour les parents, je pense qu'ils peuvent payer en fait la cantine de leurs enfants et faire des efforts. C'est pas pareil pour les parents de payer un quotient qui va ou un quotient qui est encore démultiplié comme c'est proposé là. Mais ils ont toujours la possibilité d'aller dans la ville qui est la leur. Mais ça, c'est une question de vie quotidienne, c'est une question de pratique.
Là, ce serait mettre des bâtons dans les roues dans des situations familiales qui sont... Et écoutez, si vous voulez, madame Jusseron, je vous suggère de payer pour ces gens. Alors, ça, c'est malin comme réflexion. On va rester là-dessus, je crois. Monsieur Corin. Sur le débat, on aurait pu l'avoir en commission scolaire, oui. Donc on n'a pas eu. Non. Est-ce qu'on aura des commissions scolaires là, bien sûr, oui. Tout à fait. Monsieur Dubos. Je m'interrogeais quand même sur le montant, puisque sur 25 enfants peut-être concernés par la mesure, puisqu'on exclurait les enfants des employés municipaux, on aurait un montant quand même journalier de 15 euros sur peut-être 700 ou 800 enfants scolarisés à Grolet. Si on lisse ça sur l'ensemble des enfants, ça ferait 2 centimes. Je vois pas pourquoi on pénaliserait les enfants de commerçants qui font vivre notre centre-ville, pourquoi on pénaliserait les enfants handicapés. Je suis même pas sûr. Pour 2 centimes quotidien pour l'ensemble des autres des enfants, en fait. Et vous êtes c'est juste une question d'équité, puisqu'il y a déjà, comme disait Mme Josserand, les quotients. Donc voilà, enfin on propose ça. Voilà. Je trouve étonnant que vous proposiez encore une mesure clivante, encore une, pour 2 centimes quotidiens, puisque les autres enfants grolésiens ont des hausses qui seraient environ de 3 centimes, juste pour pénaliser à hauteur de 60 centimes tous les autres, enfin tous ceux qui sont en commune, dont tous les parents vivent à Grolet quasiment tous les jours, que ce soit en tant que commerçant, employé ou les enfants handicapés. Voilà. C'est une proposition. Nous, en fait, on n'est pas d'accord avec ce que vous dites. C'est pour ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Merci. C'est possible. On s'est trompé. Bien, pas d'autres questions ? Non, on va passer au vote. Alors, qui vote contre ? Alors, Monsieur Hercy, Monsieur Geffrotin, Madame de Guillaume, alors je ne sais plus là, Moyer, Coudrier, Dubos, Moussard, Geffroy, Terre Camille, Jusseron, Corat, Wessot et Schneemann. Alors il n'a pas son avis. Elle n'a pas donné son avis. Donc elle s'abstient. Vous avez demandé si on est d'accord. Donc là, le capitaine s'abstient. Enfin, parce que lui, il parlait de Pierre Vecomte. Ok. Donc le tarif n'est pas adopté. Qui s'abstient ? Qui d'autre s'abstient ? J'ai demandé, il s'abstient. Je ne suis pas tout seul. J'ai vu qu'un bras soulevé. Ok, donc là, ce n'est pas adopté. Voilà. Merci. Donc on passe au dossier 13 et 14, donc qui sera présenté par M. Harvey. Concession de services pour la mise à disposition, installation, maintenance, entretien et exploitation commerciale des mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires. Lancement de la procédure de consultation, création d'une commission des services publics et désignation de syndic. Alors, le marché de mise à disposition, installation, maintenance, entretien et exploitation commerciale des mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires sur le territoire de la ville de Grolet, signé en 2011, a été prolongé par délibération du conseil municipal le 23 juin dernier jusqu'à la fin de l'année 2022. Avec l'évolution de la jurisprudence, ce type de prestation n'est plus un marché public, mais une concession de service, régie par la partie 3 du Code de la commande publique, entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Monsieur le maire souhaite donc lancer une consultation relevant de ce type de contrat, dans le but de désigner un concessionnaire qui sera chargé gracieusement de mettre à disposition, installer et entretenir les mobiliers urbains présents sur la ville, réaliser certains services, impression de plans, affiches, poser et déposer des affiches pour le compte de la ville. En contrepartie, il exploitera commercialement certaines phases de ces mobiliers et en tirera ainsi la rémunération.
sera exonérée du paiement des redevances d'occupation des domaines publics. Seuls les impôts et taxes, notamment locales de publicité, seront dus conformément à la réglementation. Versera à la ville annuellement un montant déterminé. Dans cet objectif, il est nécessaire 1. d'autoriser M. le maire à lancer une procédure de consultation en vue de signer une concession de service pour la mise à disposition, installation, maintenance, entretien et exploitation commerciale des mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires situés sur le territoire de la ville de Groslay. Le contrat envisagé sera d'une durée de 7 ans, compte tenu des investissements réalisés par le concessionnaire, à savoir la mise à disposition d'abris voyageurs, publicitaires et non publicitaires, panneaux d'affichage libre, mobilier d'affichage de format 2 mètres carrés publicitaire et non publicitaire, panneaux numériques de format 2 mètres carrés, maquettes, éditions et installations de plans de ville, pose et dépose, renouvelables et actualisables au bout de 3 ans et demi. Maquettes, éditions et installations de campagnes d'affichage municipal, impression quadricomie, pose et dépose, format 2 mètres carrés. Le chiffre d'affaires pour le parc actuel de la commune dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid a été évalué à 40 000 euros hors taxes par an, soit 280 000 euros hors taxes sur la durée du contrat. Quel que soit celui-ci, il en reversera chaque année une partie fixée précisément dans le contrat. L'acquisition des mobiliers et leur installation et entretien ont été évalués à un montant inférieur à 300 000 euros hors taxes. Compte tenu de son montant, la procédure de consultation pour cette concession sera adaptée car inférieur au seuil des procédures formalisées, qui est de 5 382 000 euros hors taxes. Petit 2. De créer une commission de délégation des services publics et d'en désigner les membres. Cette commission, dont les membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, est régie par l'article L1411-5 du CGCT. Elle est composée de l'autorité habilitée à signer la convention de délégation des services publics ou son représentant, président, 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein, et si le président les y a invités avec voix consultative, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence, les personnalités ou agents de la collectivité territoriale désignés par le président en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation des services publics. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Monsieur le maire propose de retenir une composition identique à celle de la commission d'appel d'offres, commission des marchés, à savoir le tableau que vous avez sous les yeux. S'il n'y a pas d'autre candidature et si la majorité absolue des élus est d'accord, le scrutin se déroulera de manière globale, à main levée et non à bulletin secret. Cette commission est constituée pour toute la durée du mandat et pourrait être saisie et réunie pour avis pour tout projet de contrat de concession de travaux services, notamment pour l'analyse des candidatures et offres, projet d'avenant, notification de contrat, conformément à la réglementation. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à lancer une procédure de consultation en vue de signer une concession de service pour la mise à disposition, installation, maintenance, entretien et exploitation commerciale des mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires situés sur le territoire de la ville de Groslay, de créer une commission des services publics et d'en désigner les membres. Merci, monsieur. Vous avez des questions ? Monsieur Geffroy. C'est juste pour être bien sûr, on va voter pour la délibération 13 qui est le lancement de la consultation et pour la 14 qui sera la constitution de la commission. C'est bien ça ? D'accord, merci. Donc d'abord, la 13. Y a-t-il d'autres questions ? Pas de questions, vous allez passer au vote pour la 13. Contre ? Abstention ? Unanimité ? Merci. Maintenant pour la 14. Contre ? Pour la délibération 14, nous présentons une liste. Je vous présente tous, si vous pouvez bien noter le nom. Donc, je vais vous donner les titulaires. Donc, en 1, Paul Moussard. En 2, Guy Boisseau. En 3, Laura Coudrier. En 4, Lucien Corrette. Les suppléants. En 1, Célia Josserand. En 2, Carmela de Guillaume. En 3, Guillaume Dubos. En 4, Philippe Hersic. Voilà, c'est donc la liste. Nous mettons au vote. Si vous voulez que le vote ait lieu à main levée ou à bulletin secret, ça vous intéresse.
à un même lieu. La notice, la nuit. De fait, la liste que vous proposez n'est plus viable puisque elle contient des noms d'ajout. C'était M. Harley, M. Girard, M. Citron, M. Cavendon et Mme Inès, en titulaire. En suppléance, M. Joly, M. Couet, Mme Chauveau, Mme Millet et Mme Serre. Voilà. On va voter. Harley, Girard, Citeau, Cavalieri, Nunes, ça c'est pour les titulaires. Suppléants, Joly, Couet, Chauveau, Meunier, Serré. Alors, qui vote pour la liste Agir ensemble pour Bourlet? Donc, ça fait monsieur, madame Chauveau, monsieur Clouet, donc ça fait deux. Ah, bon, d'accord. Voilà, donc, monsieur Joly, madame Chauveau, madame Nunes, monsieur Clouet, monsieur Citeau, monsieur Girard, madame Meunier, monsieur Lefebvre, monsieur Harley. Monsieur Carignac, ensuite, qui vote pour la liste Drôle et Terre d'Avenir? C'est ce qui est marqué. Drôle. Ah, moi j'ai dit Drôle et Terre d'Avenir. La liste d'opposition. Alors, Zobilla, Coudrier, Moignet. Ensuite, Dubos, Capitaine, Poussin, Giffroy, Ercami, Poussin, Corin, Boisseau et Chénemas. Merci. Thank you.
Monsieur Harley, Monsieur Girard, Monsieur Moussa, Monsieur Boisseau et la Curie. Donc là pour les titulaires. Monsieur Clément. Donc pour les suppléants, c'est Monsieur Joly, Monsieur Couvet. Ensuite, Monsieur. Jusseran, de Guillaume, du Boss. Ok. Donc, nous passons bien aux questions diverses. Alors. Question de M. Boisseau. Vous avez adressé une note 6 juin pour l'usine de la rue Agarelle-Fogo et aux adjacents. Plusieurs personnes vous ont interpellé sur les comptes suivants. Une note faite sans papier pour l'entrée de la ville, sans date et sans signature. Aucun délai indiqué sur le retour souhaité. Avez-vous eu aucune retour sur cette note? La commission de circulation vous a constituée et cette proposition est en tête de cette situation. Alors, tout d'abord, nécessaire de préciser que ce questionnaire peut porter la masse officielle de la direction générale de la nation. Et la très grande majorité des riverains l'ont bien compris. Très bien. D'ailleurs, à contrario des polémistes, pour ne pas dire plus, dont apparemment vous devez faire partie, nous n'avons aucune remarque dans le sens de notre intention. Preuve qu'il faut faire confiance au bon sens des polémistes. Il est quand même étrange que ces riverains vous aient interpellé plutôt que la mairie. L'explication doit résider dans le fait que ce sont des gens très très proches de votre liste. Cela dit, nous avons eu de très nombreux retours qui sont les suivants. La quasi-totalité des riverains de la rue des Poiriers et des Spiliers sont favorables au double sens de la rue Gabriel-Fauveau. La totalité des riverains de la rue Gabriel-Fauveau est totalement opposée. Enfin, la majorité des riverains de la rue des Coutures n'y est pas favorable.
Ces sondages ont pour but de nous éclairer sur les souhaits des administrés conformément à notre programme et nous n'avons aucune obligation réglementaire de demander l'autorisation à une commission ou à l'opposition ou encore à un conseil municipal, comme votre question semble le suggérer. Néanmoins, le cas échéant, ces sondages pourront aussi éclairer la commission de circulation qui s'est déjà réunie plusieurs fois. Commission qui, comme toutes les commissions, hormis la commission d'appel d'offres, est purement consultative et non décisionnaire exécutive. Pour terminer, nous avons aussi questionné par écrit les riverains de la rue Anatole-France et des ruelles adjacentes. Sur l'éventualité de remettre la petite portion de quelques mètres, comprise entre la rue du Général-Leclerc et la ruelle Vermeunier, comme le suggéraient de nombreux Brésiliens, afin d'éviter de faire de grands détours pour se rendre dans la partie sud de la ville. Ce qui d'ailleurs devrait, je dirais, faire plaisir à tous ceux qui veulent faire des économies de carburant. La totalité des riverains de cette rue s'y oppose aussi. Nous avons aussi discuté avec les riverains de la rue Chiron. Pas tous. Non, pas tous. Évidemment. Pour faire des changements de sens ou permettre de double sens. Et là encore, les personnes interrogées ne veulent aucun changement. Donc j'ai répondu à vos questions. Alors, je passe aux questions, aux autres questions. Concernant les travaux de la ville. Les travaux de la ville, donc une question posée par M. Geoffroy. Pour la liste volontaire d'avenir. Pour la liste volontaire d'avenir. Donc plusieurs grands chantiers sont en cours ou sont inscrits au budget de 2021. Nous demandons de présenter un point d'information sur le planning des chantiers suivants. Construction de la maison de santé, réfection de la salle Roger Donné, réfection de la salle des fêtes, réfection de la rue des Mariens et de la rue des Carrières, dont on a effectivement on avait ici en délibération, et aménagement du jardin de la ville. Construction de la maison de santé. La commune a signé la authentique d'acquisition le 18 juillet 2022, avec retard, dans vote du budget. La peine de fond au jour de la signature était de 55 euros du prix de vente, correspondant à la mise hors d'eau du bâtiment, soit un montant de 904 200 euros. Les menuiseries extérieures sont achevées. Le bâtiment est maintenant à l'air. L'aménagement intérieur, poison, sol, électricité, en tout cas de réalisation. La date de réception pour la tenue du bâtiment est prévue pour le mois de novembre 2022, à fin de juin, peut-être même plus décembre. On a perdu plusieurs mois, toujours un peu plus tard. La remise des locaux aux praticiens est fixée au plus tard pour le premier trimestre 2023. Concernant la salle Roger Donné. Donc le démarrage des travaux de désamontage et de dégarnissage avait démarré le 12 avril. Puis, après l'arrêt provisoire du chantier, donc le 27 avril, un peu de temps après, toujours vu le bon vote du budget, les travaux ont pu reprendre le 29 août 2022. À ce jour, la clôture de la salle est à l'heure de l'hôpital. La maison qui borde la rue Ferdinand-Berthoux, donc exécutive sociale, va être démolie par les sociétés Euroden. La première semaine d'octobre. Concernant le numéro 13, le BRD, l'entreprise a cédé, n'est plus adjudicataire du marché du fait de sa mise en liquidation. L'eau a été remboursée. Les offres sont en cours de négociation. Concernant la CDF. Concernant la CDF, nous attendons le rapport définitif de l'expert afin de déterminer le partage de responsabilités de chaque entreprise. Je vous rappelle que quand nous avons cherché la facture de du sol de cette salle des fêtes, nous n'avons pas trouvé pour cause, puisqu'il avait été facturé ce sol, non pas pour la salle des fêtes, mais pour les services techniques. Donc, comme si, effectivement, les services techniques avaient besoin d'un ce type de sol. Donc c'était une fausse facture. Et par la suite, nous avons aussi cherché via l'assurance dommage ouvrage. Pareil, pas d'assurance dommage ouvrage. Elle n'avait pas été prise, pensant sans doute qu'effectivement ce n'était pas nécessaire. Alors, nous attendons le rapport définitif de l'expert afin de déterminer le partage de responsabilités de chaque entreprise, je l'ai dit, et lors de la réunion de cette réunion d'expertise, notre expert a autorisé la commune à commencer les travaux dans la mesure où elle avance et tout. Cependant, le marché des travaux étant nécessaire, le service travaille sur la rédaction du marché. En parallèle, avant le commencement de la réfection du sol de la salle des fêtes, il faut au préalable réparer les défauts d'étanchéité sur la façade arrière. Pose une couvertine sur le dessus du mur, ces travaux sont en cours de réalisation par les services techniques. Alors là, c'est pareil.
On a eu des travaux qui ont été faits pour les bâtiments qu'on a, les bâtiments qui sont 100% privés, qui d'ailleurs ont pris sur une partie de l'ancienne culture qui appartenait à la mairie. Je rappelle au passage que ce portage nous a coûté 3 millions d'euros et que la mairie l'a rendu avec à peu près 1 million d'euros. C'est-à-dire que le coût pour les Grolésiens, pour une opération 100% privée, est de 2 millions d'euros. Alors, donc en parallèle, effectivement, il faut préparer ce mur en fait, qui touche la salle des fêtes, donc, sur lequel effectivement il y a de l'eau qui s'invite. Donc cette eau rentre effectivement le long du mur, elle passe donc à 90 degrés sous le sol et participe effectivement, en plus des travaux en fait, d'étanchéité qui ont été faits sur un sol qui respire autrefois, à faire en sorte qu'il y ait une contraction et donc la soulèvement. Ces travaux sont en cours de réalisation par les services techniques. Le montant d'indemnité a été fixé à 114 316 euros et 31 centimes de TTC. Ensuite, on passe à l'Indonésien. Alors, du fait de la liquidation judiciaire de la ECD, un nouveau devis a été demandé à la société Philippe, qui remplace la ECD. Co-traitant du groupement AECD Filou, titulaire du marché entretien de la voirie de la ville, ce qu'on appelle le planeur. Une réunion de préparation de chantier a eu lieu le 28 septembre. En plus du démarrage des travaux, quelques délais sont à prendre, en fait, tels que commande de matériaux, élaboration d'éthique, communication auprès des riverains. Donc je vous invite à voir la communication, je crois que c'est le 5, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, par vous communerez pas la réunion auprès des grands, enfin, publicité, et les travaux doivent démarrer le 17 octobre. Donc, un flyer va être mis dans les boîtes aux lettres également, concernant effectivement cette réunion d'information qui aura lieu le 5 à 19h, probablement à la salle Sapier. Concernant la rue des Tannes, excusez-moi, la mission. La fin des travaux, c'est. Allez, écoutez, je réponds aux questions. Ah non, attendez, je réponds aux questions. Vous ne voulez pas donner la date de fin des travaux? Je réponds aux questions. C'est-à-dire, si je ne sais pas, c'est que je ne dis pas. Voilà. La route intérieure. La mission de maîtrise d'œuvre a été confiée au bureau d'études Stur. Le cabinet était en attente d'un retour du budget pour entamer la phase première. Ce dernier a repris sa mission le 5 juillet. Un rendez-vous afin d'organiser une forme d'enfouissement dans la rue des Carrières est prévu pour le 3e mois. Concernant le jardin pédagogique, alors la forêt fruitière est en partie réalisée. D'ailleurs, effectivement, nous avons ici présent une personne qui a fortement contribué à cette partie. Le jardin des plantes médicinales est aussi pratiquement achevé. On rajoutera peut-être quelques éléments. Nous avons aussi planté des vignes américaines qui résistent au phylloxéra, au mildiou, à l'humidité. Nous avons commencé à creuser la main, déjà pour faire des tests, des sondages, et nous sommes arrivés jusqu'à une couche d'argile qui est imperméable à l'eau et qui nous a permis de remplir naturellement une partie de celle-ci. Nous allons continuer à creuser et parallèlement, nous avons fait la demande de subvention. Donc c'est pour ça que on a préféré arrêter pour obtenir ce subvention. Concernant la commission d'accessibilité, lors du conseil municipal du 23 juin, en réponse à une question que vous nous avez posée, vous avez répondu que la commission d'accessibilité mise en place par le conseil municipal du 16 juillet 2020 est jamais réunie depuis sur une durée le 14 octobre 2020. Article 1 de la délibération est en place. Cette commission indique que vous êtes le gouvernement président, Mme Chauveau en est la vice-présidente, M. Cavalieri. Et bien je vous sens en son membre, de même que une personne, membre d'association ou d'organisme représentant les personnes âgées, les acteurs économiques de la ville et les usagers de la ville. Donc nous demandons d'indiquer le nom de ces personnes. On les communiquera pas aujourd'hui, et de confirmer la tenue de la réunion du 14 octobre. On tiendra effectivement cette réunion le 14 octobre. Concernant la sécurité publique. Vous ne pouvez pas les tenir. Ensuite, concernant la sécurité publique, 14 caméras fixes et 2 caméras nomades de vidéosurveillance sont actuellement installées sur le territoire de la commune. Dans le cadre du développement de la vidéosurveillance portée par la CRD, 8 de ces caméras vont être modernisées et 6 seront déplacées afin d'utiliser l'implantation de 13 000
caméra fixe est également prévue, de même que l'installation d'une troisième caméra animale. Nous souhaitons que vous indiquiez le coût de ce plan pour la ville, les années 2022 et 2023, et que vous présentiez la procédure d'autorisation préfectorale d'implantation des caméras, ainsi que les modalités d'information des voisins du secteur. Alors, déjà, dans un premier temps, il y a trois arrêtés préfectoraux qui autorisent l'implantation des caméras sur la commune. L'arrêté 2021-348 qui concerne les caméras fixes des voies publiques, fin de validité le 5 juillet 2026. L'arrêté 2021-370 concernant les caméras animales, fin de validité le 25 novembre 2024. Et l'arrêté 2022-642 concernant les caméras animales provisoires de l'août 2015. L'information auprès de la population est faite via l'implantation de panneaux aux entrées et sorties de la communauté d'agglomération. Des panneaux, les voici. Et en voilà, par exemple, un exemple d'application. Alors, le coût concernant les coûts supportés pour l'année 2022, ils sont deux pour la ville de Wallet. Le remplacement dans le cadre de la modernisation des 17 caméras existantes est à la charge de la communauté d'agglomération de Wallet. S'agissant des coûts relatifs à l'extension du parc de caméras déterminées par la commune de Wallet, à savoir 16 nouvelles caméras, la répartition des charges est définie comme suit. En fonctionnement, les forfaits portant sur la maintenance est à hauteur de 2 500 € par caméra par an. À l'issue de son installation opérationnelle, l'investissement, le coût d'une caméra à loger du CSU a été évalué à 15 000 € de taxes, 51% du montant sera supporté par l'agglomération, 49% restera à charge de la commune. Concernant la petite enfance, plusieurs publications sur les réseaux sociaux et un article dans le GZ Val-Ouest ont fait état d'une dégradation des relations entre le maire et la crèche de Jardin des Lusards. Ces dernières sont de différents forteresses. D'une part, sur l'usage des clôtures de la crèche du Jardin, d'autre part, sur la pose d'un cadenas interdisant l'accès des voitures à proximité de la crèche. Nous demandons de vous présenter au conseil un point de situation et les perspectives de sortie que nous envisageons. Alors, il va être effectivement rapporté avec le copie d'écran de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux auxquels, bien évidemment, je n'ai pas accès, tout comme d'autres élus de la région. Afin d'éclairer le sujet, il faut savoir que cette crèche est bâtie sur une parcelle qui appartient à la mairie et qui fait partie du complexe sportif de Jacques Ticheret au Bézières à l'État. Cette parcelle appartient à la commune de Grolet et le bâtiment, qui est par ailleurs une structure légère, appartient à la société du Jardin des Lusards. Le bail annuel n'est que de 600 € par an. Très récemment, la mairie a entrepris de créer un accueil de loisirs dans cette zone, juste à côté de l'endroit où se situe cette place. Les entreprises en charge de réaliser ces travaux, accompagnées de l'adjoint aux travaux et à l'urbanisme, ont travaillé sur le sujet parmi les travaux nécessaires au raccordement. Il avait été envisagé de raccorder un certain nombre de fluides en passant devant le terrain occupé par le jardin de l'État et appartenant à la commune. Cette perspective se heurtait à une grande opposition de la part du personnel responsable du jardin de l'État, et l'autre alternative consiste à passer sur le bitume compris entre la salle Ticheret et le jardin de l'État, ce qui s'avère onéreux et qui s'avère aussi contraire au principe d'éco-responsabilité, car effectivement ce sera consommateur de bitume supplémentaire, donc des requins. Par ailleurs, nous avons découvert que le personnel de cette place, donc à l'occasion, se garait sur plusieurs voitures, bien plusieurs voitures, au nombre approximatif de 3, sans droit de titre, sur des espaces communaux non ouverts au public pendant les heures d'ouverture des écoles, puisque les enseignants et les enfants du groupe scolaire des Bézières sont susceptibles d'être accueillis pour des activités sportives à n'importe quel moment. Nous rappelons que nous sommes toujours contraints au plan Vigipérate, à l'avant-dernier niveau de l'Ouzon, et qu'il est interdit d'y garer ou de faire entrer des véhicules en dehors des véhicules de la mairie. Pendant les périodes et en ouverture des temps. Par ailleurs, je rappelle aussi que l'espace public ne peut être privatisé de façon permanente sans un arrêté qui n'a pas été pris. Et que celui-ci s'accompagne d'une redevance journalière de l'ordre de 5 € par jour et par mètre carré occupé. Soit dans ce cas, par rapport à l'espace occupé, qui a été bien évalué, et pour une année, une redevance de 7 200 €. Enfin, comme toute personne désirant se rendre aussi bien à la salle Jacques Ticheret ou à la crèche pendant les heures d'ouverture des écoles, il suffit de passer par la porte pour les piétons. Cela rallonge le trajet d'environ 10 mètres pour ceux qui se gardent sur le parking.
Et c'est la même chose pour les fournisseurs qui ne sont pas plus habilités à rentrer en voiture ou en camion ou cette course. D'ailleurs, en dehors des contraintes Digicarac, cela créerait une inégalité, car pourquoi les enseignants n'auraient pas aussi le droit de s'y garer sur les parkings extérieurs? Quant aux pompiers, ils peuvent rentrer aussi par la porte piéton. Je rappelle que lors des incendies des Chouchouani, vous avez rappelé, il leur arrive de dérouler leur tuyau sur près d'un kilomètre. Donc l'argument proposé par les professionnels de la politique ne sont pas. D'autant que sur place, le gardien pourrait ouvrir le grand portail en cas d'extrême nécessité, en prenant l'hypothèse qu'il ne pourrait pas accéder par le petit portail. Il m'a été rapporté toujours par ceux qui ont accès au réseau socio-communiste que des lettres ont été envoyées au préfet et au sous-préfet, que j'ai rencontré très récemment lors de cérémonies et qui ne m'ont pas dit avoir relevé le moindre problème à leur position. En conclusion, nous appliquons les règles qui s'imposent. Nous n'autorisons pas les employés du jardin de Luton à se garer devant leur porte. Ils se gareront désormais sur le parking prévu à cet effet et feront 10 mètres de plus à pied. Enfin, concernant la vie associative, lors du forum des associations du 10 septembre dernier, vous avez annoncé la création d'une fédération des associations relayées. Cette création n'ayant fait l'objet d'aucune information préalable au conseil municipal, nous vous demandons de nous préciser au cours de cette fédération son statut, association locale, son mode de financement et ses relations avec le CSLC qui fédère déjà de nombreuses associations relayées. Alors, tout comme d'autres communes, et notamment des communes proches, nous souhaitons simplifier nos relations avec les associations sans passer par des intermédiaires et notamment le CCC. La commune fournit des locaux ou des terrains et aussi octroie des subventions à des associations. Par ailleurs, chaque année, les associations participent à des activités qui sont hors du champ de leurs activités, comme la kermesse, la randonnée, la fête de la nature, la fête des récoltes, et forment des associations en tant que bénévoles. La mairie souhaite me définir le cadre de ces activités en relation avec ces associations et ses bénévoles, comme c'est d'ailleurs le cas dans toutes les communes. Cela évitera les contradictions chronophages énergivores et les cacophonies, les prises de position à visée politique de certains élus et proches d'élus aux commandes d'associations, comme nous l'avons connu dernièrement. J'ai d'ailleurs reçu plusieurs associations qui jouent déjà ces rôles de bénévoles à ces manifestations ouvertes au public et leur ont assuré que rien ne changerait pour elles sur le fond. Voilà, la séance est levée. Merci. Non, mais je vais pas.